Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Offering to Jesus Christ. Offrant d'acclamation. Clap offering. Offrant d'acclamation. Clap offering. Merci Seigneur. Thank you Lord. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Mort à la croix du calvaire à Golgotha. Died on the cross of Golgotha. Enseveli. Buried. Ressuscité le troisième jour. And resurrected on the third day. Jésus Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Ce soir est trop chargé. This evening is very tight. Ça sent la fête. Just feel the feast. Jésus Christ. Voici donc un fils du frère Zach. Behold a son of brother Zach. Professeur Njamin Dieudonné. Professeur Njamin Dieudonné. Je lui donne la parole. I give him the floor. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Hallelujah. 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 Le Seigneur Jésus-Christ est vainqueur. The Lord Jesus is the victor. Il est le Seigneur de la science. He is the Lord of science. La Bible dit que c'est par lui et en lui et pour lui que toutes choses ont été créées. The Bible says that it is for him and in him and by him that all things were created. Les choses visibles et les choses invisibles. Things invisible and things visible. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Donc vous avez entendu. So you heard? Je m'appelle Njamin Dieudonné. I'm called Njamin Dieudonné. Je suis un fils du frère Zach. I am a son of brother Zach. Mais j'aimerais vous dire. But I would like to tell you. On se présente toujours avec son plus gros titre. But we always present ourselves with the greatest title that we have. Et mon plus grand titre. And my greatest title. C'est frère Dieudonné. Is brother Dieudonné. Être le frère de Jésus Christ. Being a brother to Jesus Christ. C'est le plus grand titre qui existe. Is the greatest title that exists. Si tu es le frère de Jésus-Christ, if you are the brother of Jesus Christ, tu as le plus grand titre qui existe dans l'univers. You have the greatest title that exists in the universe. Si tu es la sœur de Jésus-Christ, if you are the sister of Jesus Christ, tu as le plus grand titre qui existe dans l'univers. You have the greatest title that exists in the universe. Donc ce soir, so this evening, le frère Boniface m'a demandé de parler de vous partager mon témoignage de conversion et de ma marche avec Dieu. Brother Boniface asked me to share with you my testimony of conversion and my walk with God. C'est très bien. It's very good. Comme ça, nous allons vraiment communier. So that we'll truly fellowship with one another. Comme ça, vous allez me connaître davantage. And it will grant us the grace to know ourselves better. Afin que nous soyons en communion. So that we should be in fellowship. Oh, notre communion, c'est avec Dieu. And our fellowship is with the Lord. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Through Jesus Christ, our Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Ça peut parfois être compliqué de parler de soi-même. Sometimes it's complicated to talk about oneself. Mais parfois j'analyse ma propre vie. But sometimes I analyze my own life. Et je vois comment Dieu m'a conduit. And I see how God has led me. Dans le but de tirer des leçons. With the goal of drawing lessons. Vous savez, you know, 1 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 1 Kings, 2 rois, 2 Kings, 1 chronique. First Chronicles, Deux Chroniques, Second Chronicles, sont des livres de la Bible qui étaient rédigés par le prophète Samuel. Are books of the Bible written by prophet Samuel. Bon, la Bible nous apprend. And the Bible teaches us que dans une banlieue de la ville de Rama où était son siège. That on the outskirts of the town of Rama,
where you had his headquarters, il y avait cette petite ville appelée Najot. There was this little town called Najot, où le prophète Samuel avait une école de formation des dirigeants. Where Samuel had a school for the training of leaders. Et vous souvenez qu'une fois, on a Saül était en train de poursuivre Samuel, David, et on lui a dit qu'il est à Najot, où se trouve le prophète Samuel. You know, one time Saul was going after David, and they told him that he was in Najot, where Samuel had a school. Ce que Samuel enseignait à Najot. What Samuel was teaching in Najot. Aux dirigeants. To the leaders. Aux futurs dirigeants. To future leaders. Qui étaient en formation. Who were in training. C'était la vie des dirigeants. It was the life of the leaders. En étudiant la vie des dirigeants d'Israël. By teaching the life of the leaders of Israel. Samuel faisait ressortir comment quelqu'un peut avoir la faveur de Dieu et réussir ou avoir la défaveur de Dieu et échouer. Samuel was teaching how someone can have the favor of God and succeed or have the disfavor of God and fail. C'est tout ce que nnous apprenons dans 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, n'est-ce pas? That's all we learn in 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles. Tel roi qui est dirigeant a marché avec Dieu. This king who walked with God, this king walked with God. Et il nous décrit comment ce dirigeant a marché avec Dieu. And he describes to us how this king walked with God. Et comment Dieu a été avec lui. And how God was with him. Pour un roi, in first king, for first kings, il dit Dieu a été avec lui et il a eu la paix. He says God, for one king, he says God was with him and there was peace. Pour l'autre, for the other, il dit Dieu était avec lui. He says God was with him. Parce qu'il a cherché Dieu. Because he sought God. Il a marché avec Dieu. He walked with God. Et Dieu l'a béni avec la faveur de son peuple et avec les richesses. And God blessed him with the favor of his people and riches. Pour un autre, for another, il dit, he says, il avait été choisi par Dieu. He was chosen by God. Mais parce qu'il a tourné son dos à l'alliance de Dieu. But because he turned his back to the covenant of the Lord, Dieu l'a vomi. God vomited him. Dieu l'a rejeté. God rejected him. Donc le prophète Samuel, so prophet Samuel était en train de former les dirigeants. Was training leaders. En leur disant comment Dieu peut soutenir un homme ou comment Dieu peut rejeter un homme. By telling them how God can could back a man or how God can reject a man. C'est ça la quintessence de la formation, de l'école de formation des dirigeants du prophète Samuel. That is the summary of Samuel's school of training leaders. Donc en quoi consiste mon partage ce soir? So what makes up my sharing for this evening. Je ne pense pas que je vais vous raconter tout ce qui concerne ma vie. Je ne vais pas vous donner toute une autobiographie. I don't think that I'll be able to give you all that concerns my life or an autobiography of myself. Je vais vous dire certaines choses. I'll tell you some things. Comment Dieu m'a conduit. How God led me. Et quelles sont les leçons que j'ai tirées pour moi-même. And what are the lessons that I've drawn for myself. En définitive, frère. In a definite way. L'enseignement d'un homme. The teaching of a man, c'est l'enseignement de sa vie. Is the teaching of his life. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Alors, je veux qu'on lise un passage biblique. I'd like us to read a passage in the Bible. Lisons Ephésiens 2. Let us read Ephesians chapter 2. Ephésiens chapitre 2. Ephesians chapter 2. Verset 1 à 10. From verse 1 to 10. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. 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 Dis, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Say, it is by grace that we have been saved. Dis, c'est par la grâce que je suis sauvé. Say, it's by grace that I am saved. Amen. Amen. C'est par là où je veux commencer mon témoignage, bien-aimé. That is where I'll begin my testimony, beloved. Je suis né d'une famille polygamique. I was born of a polygamous family. Mon papa était un polygame. My father was a polygamist. De 6 femmes. Of 6 wives. Et il ne fréquentait aucune église. And he belonged to no church. Je n'ai pas grandi dans un environnement religieux. I did not grow up in a religious environment. Personne ne partait à l'église. No one went to church. Ni catholique, protestant, rien. Be it Catholic, Protestant, nothing. Mon papa et mes parents étaient ancrés dans la tradition. My father and my parents were deep in tradition. Moi, j'ai grandi au village. I grew up in a village. Je suis un gars du village. I'm a guy of the village. Je suis né le 6 mars 1969 dans un petit village à l'ouest du Cameroun. I was born in 1969 in a little village in Cameroon. J'ai fait l'école primaire. I went through primary school. Et je suis un fils de paysan. And I'm a son of farmers. Mon père était un cultivateur. My father was a farmer. Avec, je crois, j'estime environ peut-être 2 hectares de caféier. With about 2 hectares of coffee. Et ma maman, l'une de ses femmes. My mother, one of his wives. Était cultivatrice. Was also a farmer. Dans la plantation de son mari. In her husband's plantation. Donc j'ai grandi dans les besoins. So I grew up in needs. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. I was not born with a silver spoon in my mouth. C'est un village où il y avait l'église catholique, une petite chapelle de l'église catholique. It was a village in which a little chapel of the Catholic Church was found. Une petite chapelle de l'église protestante, on l'appelait l'église évangélique du Cameroun. A little chapel of the Protestant Church called the Evangelical Church of Cameroon. Mais il n'y avait pas de différence entre ceux qui partaient à l'église et ceux qui n'allaient pas. But there was no difference between those who went to church and those who didn't go. Parce que tout le monde était dans la tradition, y compris le catéchiste. Because everyone was deep in tradition, including the catechist of the church. Avec les funérailles et l'adoration des ancêtres. With funerals and the worship of ancestors. Donc ce n'était pas un environnement où on pouvait vraiment connaître Dieu. So it was not an environment where one could truly know God. Donc j'ai grandi comme tous les autres enfants. So I grew up like all the other children. Dans la délinquance. In delinquency. La délinquance juvénile. In juvenile delinquency. La tétutesse. Headiness. Voler dans les plantations. Theft in the plantations. Et tous ces péchés que les jeunes peuvent commettre. And all of these sins that one can commit. Bien sûr, à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans, quand je faisais encore la classe de 3e au village. And actually, at the age of about 14, 15, when I was in Form 4 in the village. Avec la puberté commence aussi la convoitise des filles. With puberty, the lust for girls also comes up. À la tombée de la nuit. When night comes, when at nightfall, on s'assoit au village avec tous les autres camarades. We go out in the village with all our friends. Et on se partage toutes les filles du quartier, du village, sans même demander leur avis. And then we share the girls in the village without even asking for their opinion. Le péché. Sin. Le péché. Sin. Le péché. Sin. Et je n'avais jamais entendu l'évangile. And I'd never heard the gospel before. Mais je quitte la maison de mes parents à l'âge de 15 ans. But I left my parents' home at 15. Parce qu'il n'y avait pas de lycée dans mon village. Because there was no high school in my village. Le lycée était à 20 km du village au chef-lieu du département. The high school was
at 20 kilometers from the village at the capital of the division. À 15 ans, je quitte la maison des parents. So at 15, I left my father's house. Et je pars donc à la capitale, à la ville capitale du département, habiter avec un ami du village, en location, bien sûr. I went to the headquarters of the division to live with a friend from the village. We lived together. Et c'est dans cette petite ville que nous avons fait, que j'ai fait mes 3 ans de lycée, de la seconde en terminale. And it was in that little town that I did my high school. Après up to les, opposite. Après les 3 ans. After the 3 years. Quand je passe le baccalauréat scientifique. When I had the scientific A-levels in the French system. Je suis donc allé à Yaoundé pour la première fois. I went to Yaoundé for the first time. Parce que j'ai passé le bac. Because I had the A-levels. Je n'avais personne qui pouvait m'amener à la capitale. I had no one to take me to the capital city. Donc je vais à la capitale parce que j'ai passé le bac. So I went to the capital city because I had the A-levels. Déjà pour partir du village pour cette pour le chef-lieu du département, c'était comme voyager à l'étranger. Hein? Just leaving the village for the divisional headquarters was like si going abroad. Si tu as 20 kilomètres. That is 20 kilometers away. Donc, on prépare ton petit sac de maïs comme ça, mélangé avec les arachides qu'on a grillé, tout un sac comme ça. So, they'll prepare a bag for you with maize and parched groundnuts. Tu entres dans la voiture. You get into the car. Quand ça prend le premier virage à gauche. When you take the first bend on the on the left. Prend le deuxième à droite. When it takes the left on the right. Tes yeux tournent. Your eyes begin to turn or you begin to feel dizzy. Et le gombo tu as mangé le matin commence à sortir. And the plantains and the okra that you ate begins to come out. That is, you begin to vomit. Donc en octobre 1988, je vais à Yaoundé pour la première fois. So in October 1988, I went to Yaoundé for the first time. Et je m'inscris à l'université de Yaoundé. And I registered myself in the University of Yaoundé. Je fais la première année. I went through the first year. Je fais la deuxième année. Second year. Je fais la troisième année. Third year. Et je passe en quatrième année. And then I went to the fourth year. Une remarque. Just to make this point. Je l'ai déjà dit à plusieurs camps de jeunes. I've said this during many youth camps. J'ai dit aux jeunes. I've told the youths. J'ai travaillé dur à l'école. I worked hard in school. Parce que je voulais faire plaisir à ma maman. Because I wanted to please my mother. Parce que je voulais faire plaisir à ma maman. Because I wanted to please my mother. Ma maman était maladive. My mother was a sickling. Je voulais faire plaisir à ma maman. I wanted to please my mother. Je suis persuadé. And I am convinced que si tu n'as jamais cherché à plaire à quelqu'un dans ta vie, tu vas passer à côté du meilleur pour ta vie. That if you have never decided to please someone in your life, you will miss out on many même things. Même en tant qu'adulte. Even as an adult. S'il n'y a jamais eu quelqu'un dans ta vie à qui tu veux faire plaisir. If there have never been someone in your life that you want to please, tu n'atteindras jamais ton vrai potentiel. You will never get to your full potential. Beaucoup de personnes sont médiocres dans la vie parce qu'il n'y a personne à qui ils veulent plaire. Many people are mediocres in life because there is no one that they want to please. Je veux dire qu'ils soient croyants ou non croyants. I want to say, be they believers or unbelievers. Même en tant que croyant. Even as a believer. Même dans la foi. Even in the faith. Si tu n'as personne sur cette terre. If you have no one on earth. À qui tu veux faire plaisir. That you want to please. Tu n'iras pas loin. You will not go far. Tu n'iras pas loin. You will not go far. Y a-t-il une personne dans ta vie que tu veux plaire? Is there someone in your life that you want to please? Même en l'absence de la personne, ça met des barrières. Even the person's absence put barriers. Si je veux plaire. If I want to please. Oh frère, Douassaï. Brother Douassaï, for example. Même quand il n'est pas là. Even when he's not there. Il y a des choses que je ne peux pas faire. There are things that I cannot do. Pourquoi? Why? Parce que je sais que s'il entend, il sera très frustré. Because I know that if he hears it, he will be very frustrated. Ça met certaines barrières dans ta vie. It puts some barriers in your life. Ça met une certaine discipline dans ta vie. It puts some discipline in your life. Ça te fait travailler. It makes you to work. Ça te fait travailler. It makes you to work. Certains d'entre nous. Some of us.
Nous avons tenté notre premier long jeûne parce qu'on voulait faire plaisir à notre dirigeant. We attempted our first long fast because we wanted to please our leader. Appelez ça comme les autres appellent. Call it as others call it. Pensez que c'est l'homolatrie. Think that it is human worship. Mais je vais vous dire. But I've seen it. C'est comme ça que la vie marche. That is the way life works. Personne ne peut essayer de plaire à Dieu qu'il ne voit pas tant qu'il ne peut pas plaire à un homme qu'il voit. No one can please God that he doesn't see when he has not pleased man that he si sees. Si on avait le temps, if we had time, je vous l'aurais montré. I'd have shown you. La Bible dit dans 1 Samuel 3. The Bible says it's in 1 Samuel chapter 3. Verset 1. Verse 1. Le jeune Samuel était au service de Dieu devant Élie. The young Samuel ministered to God before Eli. C'était un enfant. He was a child. Tout ce qu'il connaissait faire. All that he knew how to do. C'est d'entendre la voix de Élie et d'obéir. Was to hear Eli's voice and obey. Et la Bible dit. The Bible says. Qu'il était au service de l'Éternel. He was at the service of the Lord. C'était un enfant. He was a child. Qu'est-ce qu'il comprenait de la loi? What did he understand about the Qu'est-ce law? Qu'est-ce qu'il comprenait du sacerdoce? What did he understand about priesthood? À cet âge-là. At that age. Qu'est-ce qu'il pouvait même comprendre? What could he understand? De l'alliance de Dieu avec Israël. Of God's covenant with Israel. Mais il servait déjà Dieu. But he was already serving Aux God. Aux yeux de Dieu. God's eyes. L'enfant Samuel était un serviteur de Dieu. In God's eyes, the child Samuel was a servant of God. En se débrouillant chaque jour à être obéissant à Élie. Struggling every day to obey Eli. Même le jour où Dieu l'appelle dans la nuit. Even on the day that God called him in the night. Ce qu'il entend, c'est la voix de Élie. What he heard was Eli's voice. Pourquoi? Why? Parce qu'il est habitué à la voix de Because he was used to Eli's voice. Dieu se présente. God introduced Il himself. Samuel, Samuel. And called him Samuel, Samuel. Il court vers son père. He ran towards his father. Il dit, mon père, me voici, car tu m'as appelé. He said, my father, here am I. Because non, he called mon fils, retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé. And Eli told him, my son, go back and sleep, I didn't call you. Pourquoi est-ce que Dieu l'appelle et c'est la voix de Élie qui l'entend? Why did God call him and then he heard Eli's voice? Ou alors? Oh? Pourquoi Dieu utilise la voix de Élie pour l'appeler? Or why did God use Eli's voice to call him? Parce que je suis persuadé que Dieu avait utilisé la voix de Élie pour l'appeler. Because I am convinced that God used Eli's voice to call him. Parce qu'il ne peut pas se tromper trois fois. Because he cannot make a mistake three times. Si la première fois. If on the first time. Disons qu'il était endormi. Maybe he was asleep. Et dès qu'il a entendu une voix, il a pensé que c'est Élie. And then he heard a voice and thought it was Eli's voice. Et Élie lui dit, non, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Eli told him, my son, I didn't call you. Je ne suis pas sûr que Samuel a encore dormi. I don't think Samuel. Je pense que lui-même était en train de réfléchir que mais qu'est-ce qui m'arrive? I think that he was thinking and thought, but what is happening to me? Est-ce que j'ai commencé à avoir des acouphènes? Am I beginning to rave? Mais Dieu a utilisé la voix de Élie pour l'appeler. But God used Eli's voice to call him. Parce que c'est la voix qui lui était familière. Because that was the voice that was familiar to him. Et Dieu savait. And God knew. Que si j'utilise la voix de Élie, il va se lever vite parce qu'il a toujours été obéissant à Élie. That if he uses Eli's voice, he will get up quickly because he has always been obedient to Eli. Alléluia. Alléluia. Peut-être Dieu est déjà en train de parler à certaines personnes. Maybe God is already speaking to some people. Je ne sais pas si c'est à toi que Dieu parle. I don't know whether it is to you that God Mais is speaking. On n'a pas beaucoup de temps. But I know that we don't have much time. Même dans la foi chrétienne. Even in the Christian faith. Tu seras médiocre. You will be a mediocre. Si tu n'as pas quelqu'un. If you have no one. Que tu veux plaire. To whom you want to please. Si tu n'as pas un dirigeant. You don't have a leader. Si tu n'as pas un père spirituel. You don't have a spiritual father. Ou une maman, ou une mère spirituelle. Or a spiritual mother. Que tu veux plaire. That you want to please. Donc tu connais la voix. Whose voice you know? Dieu peut utiliser la voix de qui pour t'appeler? Whose voice can God use to speak to you, to call you? Écris dans ton cahier. Write it in your book. Dis Dieu peut utiliser la voix de tel pour me parler. God, write down that God can use this person's voice to speak to me. Alléluia. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Comme je vous ai dit, à partir de la manière dont Dieu nous a conduit, on essaie de comprendre Dieu. Amen. Amen. That was just an aside. And as I told you, from the way God has led us, we have been able to understand God. Je suis à l'université de Yaoundé. So I got to the University of Yaoundé. Je passe en quatrième année. I went to the fourth year. Et c'est pendant ces vacances-là. And it was during that holiday. 1 novembre 1992. November 1992.
que je suis invité à une campagne d'évangélisation. I was invited to an evangelistic campaign. J'avais mené jusque-là ma vie comme tous les jeunes. Hein. I'd lived my life until that point just like every other youth. Et à cet âge-là, à presque 22 ans, j'étais déjà plongé dans l'immoralité sexuelle, en acte. And at that age, at about 22, I was already plunged into sexual immorality in action. Je suis invité à une réunion d'évangélisation. I was invited to an evangelistic meeting. Et j'y suis allé. And I went. Et je vais vous dire. And let me tell you. C'est la toute première fois que j'entends l'évangile. That was the very first time that I heard the gospel. Bien sûr, j'avais déjà eu à discuter auparavant avec des témoins de Jéhovah, avec des... quand je considérais que j'avais du temps. When I considered that I had time, I had to argue with Jehovah's Witnesses and the rest. Mais à cette réunion-là, but at that meeting, l'évangéliste a prêché. The evangelist preached. Sur le fait que nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés. On the fact that we are separated from God because of our sins. Et que le jugement de Dieu est sur chaque être humain à cause de ses péchés. And that the judgment of God is upon every human being. Et pendant qu'il listait les péchés dans la Bible, and while he was listing the sins in the Bible, je me suis reconnu dans plusieurs de ces péchés. I recognized myself in many of those sins. Et je commençais à être tellement désolé. And then I began to be very sorry. Puis il a dit, and then he said, mais Dieu ne nous condamne pas. But God doesn't condemn us. Aussi longtemps que nous sommes encore vivants, for as long as we are still alive, nous pouvons être sauvés. We can be saved. Tu peux être sauvé. You can be saved. Si tu le veux. If you want. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et pour moi. Because Jesus died on the cross for you and me. Je ne pouvais pas payer la rançon pour mes péchés. I could not pay the ransom for my sins. Mais Jésus-Christ a versé son sang comme la rançon. But Jesus Christ shed his blood as a ransom. Afin que si je me repens de tous mes péchés. So that if I repent of all my sins. Et que je vienne à Jésus-Christ. And that I come to Jesus Christ. Il va me pardonner. He will forgive me. Il va me purifier. He will purify me. Il va enlever mes péchés. He will take away my sins. Et il va me donner le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. And he'll give me the power to become a child of God. Et je serai désormais devant Dieu comme une personne justifiée, une personne sainte. And I'll be before God like someone who is justified and a holy person. Et il a dit, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. And he said that is what is called eternal life. C'est ça la vie éternelle. That is eternal life. Nous pouvons recevoir la vie éternelle dans nos cœurs. We can receive eternal life in our hearts. Nous pouvons recevoir la vie éternelle pendant notre vie sur cette terre. We can receive eternal life during our lives on earth. Quand il a lancé l'appel à la fin, when he launched the call at the end, la salle n'était pas une grande salle comme celle-ci. The hall was not a big one like this one. Je me suis levé. I got up. Parce que dans mon raisonnement, je me suis dit, because in my hearing, I said, comment quelqu'un peut refuser la vie éternelle? How can someone deny eternal life? Pour quelle raison? For what reason? Comment quelqu'un peut refuser la vie éternelle? How can someone refuse eternal life? Si Dieu t'a tellement aimé, if God has so loved you, alors que tu étais un ennemi de Dieu par tes péchés, whereas you were an enemy of God because of your sins, et Dieu t'a tellement aimé, and God so loved you, qu'il a donné sa propre vie, then he gave his own life, parce que la Bible dit, because the Bible says, Dieu était lui-même en Christ, God was in Christ, réconciliant le monde avec lui-même, reconciling the world to himself. Dieu prend la place du coupable que je suis. God took the place of the guilty one that I am, pour verser son sang, to shed his blood, donner sa propre vie, and give his own life, pour me sauver, to save me. Frère, je me suis levé. Well, then I got up, et j'ai supplié Dieu de me pardonner. And I pleaded with God to forgive. Et quand je me suis levé, when I got up, je ne sais pas combien de personnes s'étaient aussi levées. I don't know how many people also got up. Et l'évangéliste était en train d'insister. And the evangelist was insisting. Il dit, si tu ne veux pas te repentir de tous tes péchés, pour t'asseoir. He said, if you don't want to repent of all your sins, just parce sit down. Ne trompe pas Dieu. Because we cannot deceive God. Il a dit, he said, la vie éternelle est gratuite. Eternal life is free. Dieu te la donne. God gives it to you. Pourvu, provided, que tu confesses et tu abandonnes tous les péchés qu'il y a dans ta vie. That you confess and abandon all the sins in your life. Si un homme a 10 péchés, if a man has 10 sins, il est prêt à abandonner 9. And is ready to abandon 9 et garder un, and keep one. Dieu ne viendra pas dans son cœur. God will not come into his heart. Parce que Dieu regarde au cœur. Because God looks at the heart. Dieu regarde au cœur. God looks at the heart. Tu peux tromper les hommes. You can deceive men. Mais tu peux pas tromper Dieu. But you cannot deceive God. Même ce que tu as fait dans les ténèbres, il connaît.
Even that which you did in the darkness, he knows it. Même ce que tu n'as jamais confessé à personne. Even that which you've never confessed to anyone. Dieu a vu. God saw it. Dieu connaît. And God knows. Et dans son registre, il a tout écrit. And in his register, he has written it. Donc debout. So while standing, j'ai commencé à confesser mes péchés à Dieu. I started confessing my sins to God. Prenant l'engagement de ne plus jamais retourner au péché. Taking the commitment never to go back to those sins. Dieu m'a beaucoup aimé. God so loved me. Je pense que si on n'avait pas beaucoup insisté ce jour-là, I think that if they had not insisted so much on that day, je serais tombé dans le piège de l'hypocrisie. I would have fallen into the trap of hypocrisy. Un piège dans lequel plusieurs personnes qui partent à l'église sont tombées. The trap into which many people who go to church fall. Ils pensent qu'ils peuvent abandonner quelques péchés. They think that they can abandon some sins. Et garder d'autres péchés. And keep others. Et Dieu va toujours les accepter. And then God will still accept them. Je voudrais te dire, ce n'est pas vrai. I want to tell you that it is not true. Ce n'est pas vrai. It is not true. Plus tard. Later on. J'étais encore un jeune enseignant à l'université. I was a university lecturer. Une jeune sœur dans l'église de Yaoundé. A young sister in the church in Yaoundé. Elle était encore au lycée. Who was still in high school. Elle avait organisé son anniversaire. Organized her birthday. Et avait invité beaucoup de ses camarades de classe, y compris certains de ses enseignants. Invited many of her classmates, including some of her teachers. Et m'avait supplié de venir prêcher. And she pleaded with me to come and preach. Et ce jour-là, j'avais prêché sur Jésus et le chemin, la vérité et la vie. And on that day, I preached on Jesus is the way, the truth and the life. À la fin. At the end, j'ai demandé à tous ceux qui étaient là, qui veut donner sa vie à Christ? I asked those who were there who wants to give his life to Christ. Après un jeune enseignant de lycée est venu vers moi. After that, a young high school teacher came to me. Et il m'a dit, and told me, la prière que tu viens de faire, fait à plusieurs personnes. That prayer that you just made, je l'ai fait plusieurs fois. I've made it many times. Et ma vie n'a pas changé. And my life has not changed. Mais je suis témoin qu'il y a plusieurs personnes dont les vies ont radicalement changé. But I'm a witness that there are many people whose lives have radically been changed. Je lui ai dit, mon ami, I told him, my friend, c'est où est ton problème? Where is your problem? Tu as récité ce péché, cette prière plusieurs fois. You have recited that prayer many times. Mais tu as pensé que tu peux tromper Dieu. But you have thought that you can. Il y a un péché dans ta vie. There is a sin in your life que tu ne veux pas abandonner. That you don't want to abandon. Il y a un péché dans ta vie. What sin in your life? Tu veux continuer à commettre en privé, en cachette. That you want to continue committing in private and in hiding. Et tu penses que tu peux tromper Dieu. And you think that you can deceive God. Tu penses que tu peux tromper Dieu. You cannot deceive God. Et c'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes. And that is what has happened to many people. Elles sont régulières à l'église. They are regular in church. Elles font des œuvres. They do. They carry out works. Elles essaient d'être zélées. And they struggle to be zealous. Pour Dieu. For God. Mais continuent à garder un péché dans leur vie. But they continue to keep a sin in their lives. Ils ont accepté ce péché dans leur vie. They have accepted that sin in their lives. Et continuent à pratiquer ce péché. And they continue to practice that sin. Christ n'est pas dans ton cœur. Christ is not in your heart. Et Christ n'est pas dans ta vie. And Christ is not in your life. Tu peux être un membre régulier d'une église. You can be a regular member of a church. Même de notre église. Even of our church. Même de la CMC. Even of CMFI. Et être perdu. But be lost. S'il y a un péché caché dans ta vie. If there is a hidden sin in your life. Je voudrais te dire. I would like to tell you. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus que Christ. Tu n'es pas sauvé. You are not saved. Si tu rationalises un péché dans ta vie. If you rationalize a sin in your life. Je voudrais te dire. I would like to tell you. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus que Christ. Que tu es encore perdu. That you are still lost. Tu n'es pas sauvé. You are not saved. Parce que la porte est étroite. Because the way is narrow. Tellement étroite. So narrow. Qu'on ne peut pas entrer avec un péché. That we cannot get in with a sin. Étroite est la porte. Narrow is the way. Resserrer le chemin. The road is small and narrow the way. La porte est. Est-ce que vous comprenez? Do you la understand? Porte est étroite pour entrer. The way is narrow. Et même quand tu es entré, n'élargis pas le chemin. And when you want to enter, do not enlarge the way. La porte est étroite et le chemin est resserré. That is, the way is the door is narrow, but the way is tight. Plus on avance dans la vie chrétienne. And the more we go on in the plus le chemin est serré. The more we go on in the Christian life, the narrower the way becomes. Celui qui veut élargir le chemin tombe hors du chemin.
The one who wants to enlarge the way goes out of the way. Certains ont le témoignage du jour où ils étaient convertis. Some have the testimony of the day they were converted. Mais quand tu regardes leur vie maintenant, when you look at their lives right now, leur vie ne ressemble pas à une vie chrétienne. Their lives do not resemble Christian life. Probablement ils étaient entrés par la porte étroite. Maybe they got in through the narrow way. Après ils ont voulu élargir le chemin. And later on they wanted to enlarge the way. Et je voulais te dire. But I'd like to tell you que tous ceux qui veulent élargir le chemin sont tombés hors du chemin. That all those who wanted to enlarge the way fell out of the way. La porte est étroite. The gate is narrow. Et le chemin est resserré. And the way is also narrow. J'ai parlé une fois avec certaines personnes. I spoke once with some people. Dit, ah, toi aussi tu exagères. They told me, oh, you exaggerate. Tu prends tous ces chrétiens que nous voyons dans les télévisions là. Look at all those Christians that we see on TV. Je leur ai demandé. I asked them. Et Dieu t'a dit qui sont tes, qui ont ces enfants. And did God tell you that they were his children? Quand tu veux imiter le mal que tu vois à la télé, Dieu t'a dit que ces gens-là sont ses enfants. When you want to imitate the evil that you see on TV, did God tell you that those were his children? Dieu t'a-t-il vraiment dit que ces religieux-là sont ses enfants? Did God really tell you that those religious persons are his children? Est-ce qu'il y a un péché que tu gardes dans ta vie? Is there a sin that you still have in your life? Est-ce qu'il y a un péché que tu commets consciemment? Is there a sin that you still consciously commit? Gloire à Dieu. Praise the Lord. Peu après ma conversion, a little while after my conversion, il y a une sœur qui m'a beaucoup aidé. A sister, there was a sister who loved me so much. J'entrais en quatrième année à l'université. I was getting to the fourth year in the university. Et j'étais parti chercher un encadreur. And I went to look un for a supervisor. Un professeur qui pouvait suivre mes travaux de recherche. A professor who could supervise my research work. Et je l'ai rencontré dans son bureau. And I met him in his office. Quand il a signé ma fiche. When he signed my supervision form, et il m'a dit, he asked me, he told me, va au laboratoire, mon laboratoire est juste là derrière. Go to my laboratory just behind. Tu vas rencontrer une jeune fille là-bas qui est déjà en sixième année. You'll meet a young girl there who is already in the sixth year. Elle va t'aider. She will help you. Elle va t'introduire aux techniques de laboratoire. She will introduce you to the techniques of the laboratory. Et après, nous allons discuter de ton sujet spécifique. And then afterwards, we'll discuss on your specific topic. Et il m'a dit, la jeune fille s'appelle Benedicta. And he told me that the young girl is called Benedicta. Je suis allé au laboratoire. I went to the laboratory. J'ai vu la jeune fille. I saw the young girl. J'ai dit, Madame Benedicta. I said, Madame Benedicta. C'est le prof qui m'envoie vers vous. It's prof who sent me to you. Voici ce qu'il a dit. This is what he said. Il me prend comme un étudiant en recherche dans son laboratoire. He's taking me like a research assistant in his lab. Et il veut que je vienne travailler avec toi chaque jour pour que tu m'introduises aux techniques de recherche qu'il y a dans ce laboratoire. And he has told me to come and work with you every day so that you introduce me to the research techniques in this lab. Donc chaque jour, so every day, je partais au laboratoire. I went to the laboratory. Et quand il travaillait, and when we're working, de temps en temps, il chantait. She would sing. Elle chantait des chants de la chorale. She would sing songs of the choir. Elle chantait des chants chrétiens. Some Christian songs. Je ne les connaissais pas beaucoup ces chants, mais j'entendais le nom de Dieu, de Jésus-Christ dedans. I did not know these songs very much, but I used to hear the name of God and of Jesus Christ. Quelques jours après, some days later, il lui a dit, excusez-moi, madame. I asked her, excuse me, madam. Vous chantez dans une chorale. Do you sing in a choir? Tu es un enfant de cœur à l'église. Are you a choir member in the church? Elle a souri. And she smiled. Elle m'a dit, travaillons d'abord. She said, let's work first. À midi. At midday. Pendant la pause. During the break. Je vais te parler un peu. I will speak to you a little. Alors à midi. So at midday. On s'est assis. We sat. Elle m'a juste donné son témoignage de conversion. She just gave me her conversion testimony. Rien d'autre. Nothing else. Et elle a dit. And she told me. Demain je vais t'apporter un livre. Tomorrow I'll bring you a book. Que j'aimerais que tu lises. That I would like you to read. Et le lendemain, and the next day, elle est venue avec un livre. She brought a book. Le chemin de la vie. The way of life. Elle m'a dit, lis ce livre. And she told me, read this book. J'ai pris. I took it. Je suis allé lire. I went and read it. J'ai lu pendant 4 ou 5 jours, maximum une semaine. I read it for maximum 1 week. C'était tellement bon. It was so good. Tellement sucré. So sweet. Je me demandais comment il y avait des vérités comme ça qui étaient cachées depuis. I was asking myself, how come there were truths like this that were hidden for a long time?
J'ai fait la prière de repentance. I carried a repentance prayer. En lisant encore ce livre. Reading that book. Quelques jours après. Some days later. Elle m'a demandé. She asked me. As-tu lu le livre? Did you read the book? J'ai dit oui. I said yes. Il dit alors. She said then. Je dis non mais je trouvais le livre très bon. I find the book very good. J'ai même fait la prière qui est dedans. I even carried out the prayer that is in. J'ai confessé mes péchés. I confess my sins. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. I received Jesus in my heart. Et maintenant j'expérimente la joie. And now I'm experiencing the joy. J'ai la paix. I have peace. Et quand je lis la Bible, je comprends. And when I read the Bible, I understand. Elle était contente. She was happy. Et elle m'a dit. And she told me. Est-ce que tu sais que l'auteur du livre là, c'est un professeur d'université? Now, do you know that the writer of that book is a professor of the university? Son bureau n'est pas très loin d'ici. His office is not far from here. J'ai dit, ah bon? I said, really? Bien aimé, j'avais une mauvaise habitude de lire un livre sans m'intéresser même aussi au nom de l'auteur. When I had the bad attitude of reading a book, even without getting interested. J'avais lu le livre jusqu'à la fin et je n'avais même pas cherché à connaître quel est le nom de l'auteur. I read the book from beginning to end without even seeking to know who the author was. Elle m'a dit oui. She said yes. Il est un pasteur. That he's a pastor. Mais c'est un professeur de chimie. And he's a professor of chemistry. Et son laboratoire n'est pas loin d'ici. And his laboratory is not far from here. Il vient souvent au bureau vers midi. He used to come to the office by midday. Parce que le matin, il s'occupe des affaires pastorales. Because in the mornings, he takes care of pastoral duties. Attends, un de ces jours-ci, je vais d'abord aller vérifier s'il est là. Je vais t'amener le saluer. She said, wait, one of these days, I'll go and verify if he's there, and then I'll take you to greet him. Et deux jours plus tard. And 2 days later. Un jour à midi. One day at midday. À notre pause. During the break. Elle ne m'a rien dit. She told me nothing. Elle est juste sortie du laboratoire. She just came out from the lab. Elle est revenue me dit Dieu donné. She came and said Dieu donné. Le pasteur est là. The pastor is there. Allons le saluer. Let's go and greet him. C'est ma toute première fois de rencontrer le pasteur Zacharia Stanley Fomo. That was the first time that I met Pastor Zacharia Stanley Fomo. Nous sommes entrés dans son bureau. We got into his office. Nous étions deux. We're two. La sœur Benedicta. Sister Benedicta. Par peur d'une interférence. For fear of any interference. Est sortie du bureau et m'a laissé avec le frère Zach. Withdrew from the office and left me with brother Zach. C'est plus tard que j'ai compris. It was later on that I understood. Qu'elle ne voulait pas rester. That she did not want to stay. Dans ma tête, dans ce moment, j'ai juste pensé qu'elle avait une urgence au laboratoire, devait suivre une certaine expérimentation en cours. C'est pour ça qu'elle est partie. At that time in my mind, I thought that she had an emergency at the lab and that she wanted to follow up with some experiments and that's j'ai why she went. J'ai posé avec le frère Zach. I discussed with brother Zach. Il m'a posé des questions. He asked me questions. Je lui ai dit ce que j'ai lu. I told et him what I read. Et comment j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus Christ. And how I gave my life to the Lord Jesus Christ. Et il a décidé de me faire un don de livre. And he decided to make me a gift of books. Il a demandé à un étudiant qui était dans son laboratoire de chimie d'aller appeler la sœur Benedicta. And he asked a student who was in the laboratory to go and call for Sister Benedicta. L'étudiant a couru. The student rushed. La sœur Benedicta est revenue. Sister Benedicta came back. Et le frère Zach a écrit de sa main. And brother Zach une liste de livres qu'il m'offrait gratuitement. A list of books that he was giving to me free of charge. Délivrant de l'emprise des démons. Deliverance from the grip of demons. Disciple coûte que coûte. Discipleship at any cost. Le chemin de l'obéissance. The way of obedience. Il y avait 5 livres. There were 5 books. Frère, j'aimerais dire. Brother, I would like to tell you. Nous sommes partis à la maison de l'évangile se trouvait dans un quartier Yaoundé appelé Mvogada. We went to the gospel house that was at a neighborhood in Yaoundé called Mvogada. On nous a donné les livres. They gave us the books. J'avais mes livres. I had my books. Je suis rentré. I got home. Frère, j'aimerais dire. I would like to tell you. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Now when I gave my life to Lord Jesus Christ. Il y avait un désir ardent dans mon cœur de le connaître et de lui obéir. There was a burning desire in my heart to know him and to obey him. Je voulais le connaître. I wanted to know et him. Je voulais obéir. And I wanted to obey. Et je voulais obéir. I wanted to obey. Je voulais obéir. I wanted to obey. Frère, ce genre de désir ne peut venir que du Saint-Esprit. But that kind of desire can only come from the Holy Donc, Spirit. Donc quand j'ai regardé les titres des livres. So when I looked at the titles of the books. J'ai vu écrit le chemin de l'obéissance. I saw one written the way of obedience. J'ai décidé de commencer par ce livre-là. I decided to begin with that book. Pourquoi? Why? Dans mon imagination. In my mind. Je me disais que le livre-ci enseigne comment obéir au Seigneur Jésus-Christ. I told myself that this book teaches how to obey the Lord Jesus Christ. Je ne savais pas que ça parlait du baptême. I did not know that I was speaking about baptism. Je pensais que ça expliquait comment un enfant de Dieu peut obéir au Seigneur Jésus-Christ. I thought that it was talking about how a child of God can obey the Lord Jesus Christ. Donc j'ai commencé à lire celui-là. So I began with that one. À peine j'ai terminé le premier chapitre sur le baptême dans l'eau.
As soon as I finished the chapter on baptism into water, je n'avais pas fini tout le livre. I did not finish the book. Je suis rentré. I went. 3 jours après. 3 days later. À l'université. I went to the university. Ce jour-là. On that day. La sœur Bénédicte n'est même pas venue au labo. Sister Benedicta did not even come to the office. Je ne sais pas quel empêchement elle avait. I don't know what hold up she had. Mais ça brûlait tellement dans mon cœur que je suis parti moi-même dans chercher le pasteur dans son bureau, comme je savais déjà qu'il vient vers midi. It was burning in my heart in such a way that I went to look for the pastor in his office, since I knew that he often comes by midday. Et il était là. And he was there. J'ai dit pardon, je voulais le rencontrer. I said please, I want to meet him. À l'université. At the university. Il m'a reconnu. And he il m'a fait entrer recognized dans son me and he told me to come in. J'ai commencé là devant lui à citer les passages du livre dans le chemin de l'obéissance. And I began citing to him extracts of the book. Je lui ai dit, je veux être baptisé. And I told him I want to get baptized. Je veux être baptisé. I want to get baptized. Il me regarde. He looked at me. Il dit non, je veux être baptisé. He said, I said, I want dans to, le livre aussi. I want to be baptized in this on book. A dit ceci. I said, in this book, this is said. J'étais en train d'essayer de lui enseigner son propre livre qu'il a écrit. And I was trying to teach him his own book that he had written. Et il a vu que j'étais tellement déterminé. And he saw that I was so determined. Qu'il a dit, d'accord. And he said, okay. Je vais te baptiser demain. I'll baptize you tomorrow. Demain. Tomorrow. Tu viens ici à midi. Come at midday. Tu prends un habit de rechange. You take a cloth with which parce you change up. Comme tu as lu dans le livre. As you've read on va te plonger, on va t'immerger dans l'eau. We'll baptize you by immersion. J'ai dit oui, c'est même ça. I said yes, that is moi it. Moi-même j'ai lu. I read it. Et j'ai vérifié dans la Bible. And I verified in the Bible. Donc le lendemain à midi. So the next day at midday. J'étais là au rendez-vous. I was at the appointment. Lui aussi il était là. He too was there. Il est venu. He came. Il m'a appelé dans son bureau. And called me into his office. Il a ouvert sa mallette. And he opened his briefcase. Il m'a montré sa serviette. And showed me his towel. Et son habit de rechange qu'il avait pris. And showed me the clothes with which he would change up. Et il m'a dit Dieu donné. And he asked me, he told me je Dieu voulais aller te baptiser moi-même. I wanted to go and baptize you myself. Mais arrivé au département aujourd'hui, il y a une crise au département de chimie. But when I got to the department today, there's a crisis in the chemistry ouais, department. Dans le système anglophone, il y a un chef de département qui s'occupe de l'administration. Il y a ce qu'ils appellent acting head of department, qui s'occupe de la pédagogie et de la vie du département. In the Anglo-Saxon system, there is the head of department who is in charge of administration, and then there is the acting head of department who is in charge of pedagogy. Alors, c'est lui qui était acting head of department en ce moment. So he was the acting head of department at that time. Il m'a dit il faut qu'il résolve la crise là aujourd'hui. He told me that he had to resolve that crisis. Et il that m'a day. Présenté des excuses. And he presented his apologies. J'étais tellement embarrassé. But I was so embarrassed. Un petit étudiant. A little student de 22 ans, of 22, à qui un professeur haut échelle de l'université, to whom a high-ranking professor, est en train de demander des excuses parce qu'il ne peut pas aller le baptiser maintenant. Is apologizing because he cannot go and baptize him today. C'est comme ça m'a touché loin à l'intérieur. I was struck right deep inside. Et il m'a dit. And he told mais me, tu vas être baptisé aujourd'hui. But you'll be baptized today. Je ne veux pas renvoyer ton baptême. I don't want to postpone your baptism. J'ai appelé deux pasteurs. I've called for two pastors. Qui vont venir tout à l'heure, ils vont aller te baptiser. Who will come a while from now to go and baptize you? Pendant qu'on parlait, while we were speaking, deux pasteurs sont arrivés. Two pastors got him. Ma première fois aussi de les rencontrer. The first time for me meeting them. Deux anciens dans l'église de Yaoundé. Two elders of the church in Yaoundé. Le frère Jacques Yougan. Brother Jacques Yougan. Et le frère Théodore Andossé. And Brother Théodore Andossé. Ma première fois les rencontrer, je ne connaissais même pas leur nom. The first time I met them, I did not even know their names. Et il a dit à ces deux pasteurs, allez baptiser ce jeune étudiant. And he told those two pastors, go and baptize this young student. Il est prêt pour le baptême. He's ready for baptism. Ils m'ont porté dans la voiture du frère Jacques. They took me in Brother Jacques' car. En ce moment, le frère Jacques Hugan avait une Mercedes 200 diesel. At that time, Brother Jacques Hugan had a Mercedes 200. Ils m'ont transporté dans la voiture. They carried me in the car. Et ils sont allés me baptiser dans un cours d'eau. And they went and baptized me in a stream. Frère, je suis sorti de l'eau de baptême. But when I got out from the waters of baptism, mon cœur s'est attaché au frère Théodore que je ne connaissais pas avant. My heart clung to Brother Theodore that I did not know before. Je l'ai suivi jusque dans sa maison dans un quartier appelé Etukebe. I followed him right to his house in a neighborhood called Etukebe. Le lendemain, the next day, je suis allé rendre compte au pasteur Zach. I went to give an account to Pastor Zach. Il dit, j'ai été baptisé. I told him I was baptized.
Frère, sans le vouloir. Brethren, without wanting it. Et sans avoir rencontré le frère Théodore avant. And without having met Brother Theodore before. Mon cœur s'est attaché à lui dès que je suis sorti des eaux du baptême. My heart clung to him as soon as I got out from the waters of baptism. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qu'il faut acclamer. That is not what you have je to Je vais vous dire ce qu'il faut acclamer. I would want to tell you what you need to clap for. C'est que hein, it is la sœur Bénédicte. Our sister Benedicta. Qui a été l'instrument pour me conduire à Dieu et pour me conduire vers le frère Zach. Who was the instrument to lead me to God and to lead me to Brother Zach? Voyant que mon cœur était attaché au frère Théodore. Seeing that my heart was attached to Brother Theodore. Ne m'a pas empêché de suivre le frère Théodore. Did not hinder me from following Brother Theodore. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Elle s'est considérée comme ma grande sœur. She considered herself like my elder sister. Quand je suis même allé suivre le frère Théodore. Even when I went to follow Brother Theodore, il m'a demandé, he asked me, quelle est ta relation avec Bénédicta? What is your relationship with Bénédicta? Je lui ai dit, I told him, Bénédicta pour moi est une grande sœur dans le Seigneur. Bénédicta to me is an elder sister in the Frère, Lord. Brother, jusqu'à ce jour, until today, j'ai une bonne relation avec la sœur Bénédicta. I have a good relationship Elle m'a toujours considéré comme son petit frère. She has always considered me as a younger brother. Ça ne fait pas longtemps. And it's not long ago. Elle était en train de faire des plans pour se demander comment elle peut prendre un de mes enfants pour aller rester avec elle en Afrique du Sud pour faire l'école. She was asking me what to do to take one of my children to go and register in South Africa for studies. Mais si elle avait essayé de s'accrocher sur moi disant c'est mon converti, je crois qu'elle aurait frustré beaucoup de desseins de Dieu dans ma vie. And I believe that if she had tried to cling to me saying that he's my convert, she would have frustrated many of God's purposes. Frère, parce que le gars que vous voyez devant vous aujourd'hui là. Because brethren, the guy that you see before you today. J'ai été bâti par le frère Théodore et par le frère Zach. I was built up by Brother Theodore and Brother Zach. Quand est-il si la sœur Bénédicte s'était opposée disant que je suis son jeune converti? What if Sister Benedicta had resisted saying that I was her young convert? Qu'est-ce que je veux dire? What am I trying to say? Dieu peut t'utiliser pour conduire quelqu'un au Seigneur. God can use you to lead someone to the Lord. Et Dieu a ses desseins dans la vie de la personne. And God has his purposes in the life of that person. Et il le conduit à être attaché à un autre frère dans l'église. And he leads that person to cling to another brother in the church. À être attaché à un autre dirigeant dans l'église. To cling to another leader in the church. Si tu l'empêches, if you hinder him, tu peux frustrer beaucoup le dessein de Dieu. You can frustrate many of God's purposes. Je suis à jamais reconnaissant à la sœur Bénédicta. I am forever grateful to Sister Benedicta. Elle m'a encouragé dans la relation. She encouraged me in the relationship. Elle me regarde comme son petit frère. She considers me as her younger brother. Elle a pris soin de moi. And she has taken care of me. Et comme je viens de vous dire. And as I just told you. Jusqu'à ce jour, elle cherche même le bien-être de mes enfants. Until today, she's still looking out for the well-being of my children. Mais elle ne s'est pas accrochée au fait que je dois être fait disciple par elle. But she did not cling to the fact that I must be made a disciple by her. Ce n'est pas nécessairement parce que Dieu t'a utilisé pour amener quelqu'un au salut que tu as ce qu'il faut, ce que tu peux donner à la personne pour sa croissance. It is not because God has used you to lead someone to salvation that you necessarily have what it takes for the person's growth. Qu'en est-il si la sœur Bénédicte m'avait empêché de suivre l'amour qui était né dans mon cœur promptement pour le frère Théodore? What if Sister Benedicta had stopped me from following the natural love that was born in my heart for Brother Theodore? Comme je vous dis, as I tell you, je rencontrais le frère Théodore pour la première fois. I was meeting Brother Theodore for the very first time. That ce n'est pas que je l'avais déjà entendu prêcher quelque part et je l'ai aimé parce qu'il prêche bien. It's not because I heard him preach somewhere and then I loved him because he preached well. Ce n'est pas parce que je connaissais son CV spirituel. It's not because I knew his spiritual CV. Mais elle m'a encouragé. She encouraged me. Et j'ai suivi le frère Théodore. And I followed Brother Theodore. Et le frère Théodore m'a bâti. Brother Theodore built me up. Comme son disciple. As his disciple. Jusqu'en 1994 quand il part au Nigeria comme missionnaire. Until 1994, when he was going to Nigeria as a missionary. Ces trois années où il m'a bâti avant d'aller comme missionnaire. These 3 years when he built me up before going as a missionary. Frère, ça a été déterminant pour mon décollage dans la vie spirituelle. Brethren, it was determinant for my takeoff in the spiritual life. Ces 3 ans où le frère Théodore m'a bâti avant de partir comme missionnaire au Nigeria. These 3 years when Brother Theodore built me up for going as a missionary to Nigeria. Frère, j'avais fait tellement de progrès spirituel. Brethren, I made so much spiritual progress. Que quand il partait au Nigeria. That when he was going to Nigeria. Il nous avait pris trois.
trois de ses disciples. He took three of us, his disciples. Le frère Israël Sama que vous connaissez. Brother Israel Sama that you know. Et notre frère, le frère Georges Tabenyan. Another brother, brother Georges Tabenyan. Et moi-même. And myself. Et il est parti dire au frère Zach. He went and told brother Zach. Ceux de mes disciples si on, sont en train de grandir dans le Seigneur. Ils sont en voie de maturation dans le Seigneur. Je vais te les donner comme tes disciples. These of my three disciples. These three disciples are growing in the Lord and they are making progress in the Lord. And I will give them to you as your disciples. Et les autres, and the others, il les a donnés au pasteur qui était dans l'église parce que c'était pour lui des brebis qui avaient besoin de beaucoup de ministère pastoral. He gave them to pastors in the church because they were flock that needed so much pastoral ministry. Une fois de plus. One more time. Le fait que tu sois entre les bonnes mains. Être entre les bonnes mains. The fact that you are in good hands, c'est déterminant. Is determinant. Le frère Théodore avait discerné en ce moment-là, en 1994, qu'il pouvait me passer au frère Zach quand il partait au Nigeria. Brother Théodore had discerned at that time in 1994 that he could hand me over to Brother Zach when he was going as a missionary to Nigeria. Bien-aimé, quand tu suis un dirigeant, brethren, when you follow, beloved, when you follow a leader, c'est le dirigeant qui est dans les problèmes. It is the leader who is in trouble. Pourquoi? Why? Parce qu'il vit, il dort et il se réveille avec la responsabilité qu'il doit rendre grâce, qu'il doit rendre compte à Dieu pour ta vie. Because he lives and sleeps and gets up with the mind that he has to give an account to God for you. Pour ceux qui sont des rebelles, for those who are rebels, vous avez libéré le dirigeant. You have released, you have set the leader free. Et il n'a aucun compte à rendre à Dieu pour toi. He has no account to give to God for you. Mais quand tu suis un dirigeant, but when you follow a leader, c'est le dirigeant qui est plus à l'épreuve. It is the leader who is on trial. Parce que si tu te diriges mal, because if he leads you wrongly, si tu ne te diriges pas selon les desseins de Dieu pour ta vie, if he does not lead you according to God's purposes for your life, Dieu lui demandera compte. God will ask him account. Les gens pensent que quand tu es soumis à un dirigeant, people think that when you are submissive to quand a leader, tu es sous autorité, when you are under authority, c'est pas, tu lui fais beaucoup de bien, hein? You are doing him so much good, hein? Non. Non, non, tu non. N'as rien compris. You have not understood. Si tu penses que tu fais beaucoup de bien au dirigeant parce que tu es soumis au dirigeant, you think that you are doing the leader good because you are submissive. Tu n'as rien compris. You have not understood. Par ta rébellion, by your rebellion, tu l'as rendu libre de rendre compte de ta vie. You have set him free from rendering accounts of your life. Demande à ton voisin s'il a compris. Ask your neighbor whether he has understood. Pendant que j'étais disciple du frère Théodore, while I was Brother Theodore's disciple, je suis arrivé dans son dans le groupe de ses disciples. I got into the group of his disciples. Et en ce moment-là, and at that time, beaucoup de jeunes comme ça l'avaient fui. Many youths at that time had fled from him. Et j'entendais même certains parents à l'église dire ne le suivez pas. I heard even many parents in the church saying, do not follow him. Parce que le frère Théodore venait d'abandonner ses études à l'université. Because Brother Theodore had just abandoned his studies at the university. Il était inscrit en première année de physique à l'université de Yaoundé. He was a first year student at the, in physics in the University of Yaoundé. Et comme il nous a raconté, and as he has il s'asseyait à l'amphi. He was sitting in the amphitheater. Et il entendait les âmes pleurer en enfer. And he heard souls crying in hell. Et le Saint-Esprit dit dans son cœur, and the Holy Spirit tells him, si tu dis que tu ne savais pas, if you say that you did not know, Dieu qui pèse le cœur, ne sait-il pas? God who weighs hearts, doesn't he know? C'est comme ça que le frère Théodore avait abandonné ses études en première année pour aller se former au pied du frère Zach pour devenir un prédicateur de l'évangile. That's how Brother Theodore abandoned studies on first, at the first year in the university to go and learn by near Brother Zach, how to be a preacher of the gospel. Ce n'est pas parce qu'il était paresseux, ce n'est pas parce qu'il n'était pas intelligent, hein. It's not because he was lazy or because he was not intelligent. Le frère Théodore était un étudiant très intelligent. Brother Theodore is a very intelligent student. Mais il nous avait raconté, but he shared with us, que chaque fois qu'il partait à l'amphi, each time he went to the amphitheater, il s'asseyait à l'amphi, as he sat, et pendant que le professeur était en train d'enseigner, while the professor was teaching, il entendait les âmes qui pleuraient en enfer. He heard souls crying in hell. Et une voix lui disait dans son cœur, and a voice would tell him in his heart, si tu dis, if you say, que tu ne connaissais pas, you did not know. C'est un verset de proverbe, hein, ou de psaume. Si tu dis que tu ne connaissais pas, est-ce que celui qui pèse le cœur ne sait-il pas? It's a verse in Proverbs or Psalms, I think.
If you say that you did not know, the one who wears hats, doesn't he know? Donc quand je suis arrivé dans le groupe du frère Théodore, so when I got to Brother Theodore's group, il y avait beaucoup de parents comme ça dans l'église qui empêchaient à leurs enfants de le suivre parce qu'ils disaient il va vous conduire mal parce qu'il a abandonné ses études. There were many parents in the church who told their children, don't follow him. He will lead you wrongly because he abandoned his studies. Mes frères, but brethren, moi j'étais tellement content. I was so happy. Tellement content. So happy. J'étais tellement content de mon salut. I was so happy of my salvation. En fait, je ne sais pas. I don't know. Moi-même, je voyais le monde comme la pourriture. I saw the world as rottenness. Et toutes ces histoires d'aller étudier à l'université comme une perte de temps. And all of this issue of going to study at university as a waste of time. Donc j'avais abandonné mes études à l'université. I wanted to abandon my studies at university. C'est même pas le frère Théodore qui m'avait dit, hein. It's not Brother Theodore who told me. J'avais quitté ma chambre à l'université. I'd left my room in the university. J'habitais chez le frère Théodore. I was living in Brother Theodore's house. Je ne partais plus à l'école. I did not longer go parce to school. Pour moi, c'était une perte de temps. Because for me, it was a waste of time. Je ne sais pas, dans mon cœur, I don't know in my heart. Je pensais que si je peux prêcher l'évangile et une seule personne croit. I thought that if I could preach the gospel and just one person believes, une seule âme est sauvée, and just one soul is saved, c'est que ma vie a un sens. Then my life is worth it. Hallelujah. Hallelujah. Donc j'ai passé presque toute l'année, je ne partais pas à l'école. So I spent like the entire year I didn't go to school. J'habitais chez le frère Théodore. I lived at Brother Theodore's house. Le frère Théodore, j'étais son jeune disciple. I was Brother Theodore's young disciple. Il était très proche du frère Zach. And he was very close to Brother Zach. Et il m'a dit Dieu donné. He told me Dieu donné. Une fois par semaine. One time per week. Prends la machette. Take le coupe-coupe là. Take the cutlass. Va dans la concession du frère Zach. Go to Brother Zach's compound. Enlève les herbes tout autour de la maison. And cut the grass around his compound. Et vide la poubelle. Et va vider la poubelle. And empty the dustbin. Ça, c'est le premier travail qu'il m'avait donné. That was the first work that he gave me. Deuxième travail. Second. Il avait assignment. Dit le frère Zach a un fils. He told me Brother Zach has a son. Un fils biologique. A biological son. Qui s'appelle Paul. Who is called Paul. Il a des problèmes dans ses études. He has problems with his studies. Il était au collège. He was in secondary school. Il est un peu paresseux. He is a little il lazy. Ne veut pas partir à l'école. He doesn't want to go to school. Comme toi, tu as fait série scientifique. So since you are a science student, je voudrais que tu partes aider cet enfant. I want you to go and help that child. Pour libérer le frère Zach du fardeau de cet enfant. To relieve Brother Zach of the burden of that child. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Frère, je l'ai fait. Brother, I did it. Avec un sens de privilège. With a sense of privilege. J'étais un jeune. I was a young man. 22 ans. 22. La couronne des jeunes, c'est la force physique. The crown of the youth is their physical strength. Je partais une fois par semaine pour débrousser tout autour de la maison. Once a week, I used to go and clear around the house. Et aller vider la poubelle. And empty the dustbin. Là où j'ai échoué. Where I failed. C'est que le jeune Paul. Is that young Paul? Était paresseux. Was lazy. Quand j'arrivais à la maison pour lui faire les cours de répétition. When I got home to help him in his studies. Si sa maman n'était pas là, il ne va pas travailler. If his mother was absent, he would not work. Parce qu'il n'y avait que sa maman qui pouvait le gronder, qui pouvait le pousser pour qu'il vienne même pour qu'on travaille. Because it was only his mother who could shout at him, scold him, and then bring him so that we can study. Donc j'ai échoué. So I failed at that level. Pourquoi? Why? Parce que je ne connaissais pas flatter un enfant pour lui faire du bien. Because I was unable to flatter a child to do good to the child. Ne pensez pas que je suis en train d'accuser ce petit garçon. Don't think that I am accusing that young child. L'échec est le mien. The failure is mine. Quand tu es un grand frère. When you are an elder brother. Et on t'a donné un petit frère. And they have given you a younger brother. Et tu ne peux pas réussir à l'encadrer. And you cannot succeed to guide him. Tu ne peux pas rejeter le tort sur le petit frère, n'est-ce pas? You cannot put the blame on the young child, right? Donc c'est un échec de ma vie. So that is a failure of my life. Aujourd'hui, je considère que c'était un échec. Until today, I consider it a failure of my life. Parce que je n'ai pas aidé le petit Paul comme j'aurais pu le faire. Because I was unable to help the little Paul as I would have done. Mais je voudrais aussi vous dire. But I also want to tell you. Il y a beaucoup de personnes qui pensent. There are many people think. Faut que je reste dans l'église. That I should stay in the church. Et ils nourrissent leurs pensées avec des fantasmes.
And they fill their minds with fantasies. Des fantasmes spirituels. With spiritual fantasies. Que un jour, that one day, quand il sera en train de méditer, when I'll be meditating, quand il sera en retraite, when I'll be on retreat, Dieu va lui dire, mon enfant, God will tell me, my child, je t'ai appelé maintenant être un grand évangéliste. I've called you now, you are a great evangelist. Maintenant, il va sortir en public. Now you go into public. Et être un Jean-Baptiste de la, du 21e siècle. And you'll be a John the Baptist of the 21st century. Frère, brethren, je vais te dire, let me tell you, si tu ne peux pas rendre les petits services que tu trouves à l'église, if you cannot render the little services that you find in church, si tu ne peux pas aller rendre service dans la maison de ton pasteur, if you cannot go and be of help, tu ne serviras jamais Dieu. You will never serve God. Qui a compris? Lève la main comme ça. If you have understood, raise your hand like this. Très bien. Very good. Si tu ne peux pas aller, if you cannot go dans la maison de ton dirigeant, to your leader's house, tu aides sa femme à faire le marché, you help his wife to, tu aides ses enfants à faire leurs devoirs de to go and buy, and you help his children to tu fais le nettoyage do their autour de la maison, and you clean around the parce house que tu es trop grand, because you are so big, et tu attends le jour où Dieu va te nommer l'évangéliste du 21e siècle, and you are waiting for the day God will appoint you as evangelist of the 21st century, et tout le monde va t'appeler l'homme de Dieu, and everyone will call you man of God. Tu es séduit. You are deceived. Ça n'arrivera pas. It will not happen. Je considère que c'était mes premiers pas dans le service chrétien. I consider that those were my first steps in the Christian life, in the Amen. Christian service. Je considère que ce que le frère Théodore m'avait donné comme travail, c'était dans la volonté de Dieu. I consider that what Brother Theodore gave me as work was in God's will. C'était un grand privilège. It was a great privilege. Dieu était en train de me tester. God was testing me. Et il a utilisé mon dirigeant. And he used my leader. Si tu ne peux pas faire la moindre chose pratique chez ton dirigeant, if you cannot do the least practical thing for your leader, ne t'en fais pas. Don't worry. Tu ne peux pas servir Dieu. You cannot serve God. Tu ne peux pas servir Dieu. You cannot serve God. Pour certains, for some, si tu ne peux pas juste aller chez ton dirigeant et demander est-ce que ses enfants font leurs devoirs chaque jour, if you cannot go to your leader's house and just ask if his children do the assignments every day, certains des pasteurs, some pastors, ont vendu leur vie et ont abandonné leur famille, have sold away their lives and have abandoned their families, et ils ne peuvent pas faire autrement, and they cannot do otherwise. S'ils abandonnent l'œuvre de Dieu pour s'occuper de sa famille, Dieu va le vomir. If they abandon the work of God to take care of their families, God will vomit them. Celui qui vient à moi, the one who comes to me, et qui veut me suivre, and who wants to follow me, s'il ne hait pas sa femme, ses enfants et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. If he doesn't hate his wife, his children, and even his own life, he cannot be my disciple. Un pasteur, a pastor, un dirigeant, a leader, un missionnaire, a missionary, est appelé à haïr ses enfants, même et sa femme et même ses propres enfants pour suivre Christ. Is called upon to hate his wife and his own children to follow Christ. S'il abandonne l'appel de Dieu, if he abandons God's call, pour venir rester à la maison pour prendre soin de ses enfants, to come and stay at home and take care of his children, il a trahi Dieu. He has betrayed God. Mais de l'autre côté, but on our part, si en, pendant qu'il est en train d'investir sa vie en Dieu, while he's investing his life in God, des jeunes qui vont devenir des serviteurs de Dieu, youths who become servants of God, ne voient pas, don't see it, et ne comprennent pas dans leur cœur, and don't understand in their hearts, que mes premiers pas dans le service pour Dieu, that my first steps in service to God, c'est de servir mon dirigeant, is to serve my leader. Je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer. I can assure you. Ces jeunes-là ne serviront jamais Dieu. Those youths will never serve God. Certains ont même la maladresse. Some even think waywardly. Non seulement ils n'aident pas. Not only do they not help. Ils se moquent des enfants des dirigeants. They even mock leaders' children. Parce qu'il n'a pas le temps de suivre ses enfants. Because he does not have time to follow up his children. Il y a beaucoup qui se moquent. Many mock. Non seulement ils ne vont pas aider. Not only they don't go and help. Mais ils se moquent. But they mock at them. Ils se moquent. They mock. Hey, les enfants de tel ancien. Oh, the children of this elder. Les enfants de tel ancien. Oh, the children of this elder. Frère, tu es en train de prononcer une malédiction contre toi-même. Brother, you are pronouncing a curse upon yourself. Fais ça. Fais comme ça. Do that way.
Et Dieu va se rassurer que tu ne vas même pas demeurer dans la foi jusqu'à ce que Jésus revienne. And God will ensure that you will not even abide in the faith until Jesus comes. Moque-toi du serviteur de Dieu. Show yourself. Moque-toi. Faut te moquer. Mock at the servants of God. Faut te moquer parce qu'il n'a même pas le temps de prendre soin de ses enfants. Mock them because they don't even have time to take care of their il children. Il n'a même pas le temps de prendre soin de sa femme. Doesn't even have time to take care of his wife. Il n'a même pas le temps de prendre soin de sa maison. Doesn't even have time to take care of his home. Et tu te moques. And you mock. Et lui. And him. Il est comme une personne vendue. He's like someone who has been sold out. Vendu à l'appel de Dieu. Sold out to God's call. Vendu au service de Dieu. Sold out to God's service. C'est pour ça qu'il n'a même pas le temps. He doesn't even have time. Il sort souvent de sa maison. He goes out of his house. Il vient ici prier pour les frères. He comes here to pray for il the brethren. Il prie pour les malades. Prays for the sick. Il chasse les démons. Cast out demons. Après. Afterwards. Il fait la nuit de la croisade. And then he carries out. He ses prays. Ses enfants sont à la maison. Au même jeune, il ne sait pas. His children are at home and he doesn't even know. Et ils sont même rentrés de l'école, il ne sait même pas. And they've even come back from school, he doesn't even know. Vous vouliez qu'il fasse comment? What do you want him to do? Qu'il abandonne la retraite pour aller faire le devoir de ses enfants. Do you want him to abandon the retreat to go and do the assignment of his children? Et non seulement tu ne veux pas aider. And not only you don't want to help. Tu te moques. But you mock. Mais Dieu m'a beaucoup aimé. But God loved me so much. Ce que je vous dis aujourd'hui, what I'm telling you today, je ne le comprenais pas en ce moment-là. At that time, I did not understand je vous rends témoignage. Je vous ai dit que je vais vous donner mon témoignage sous forme d'un enseignement. I told you that I'm going to give you my testimony. Je comprends maintenant comment Dieu m'a conduit. I now understand the way God led me. Dieu m'a conduit et m'a béni pas à pas, pas à pas, pas à pas. God led me and blessed me step by step, step by step. Merci pour ce témoignage qui montre que tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, je comprends pourquoi certains anciens ou devanciers ont reçu dans la vie chrétienne et même de la vie académique et professionnelle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de l'ancien Douassaï, de mon époux, la sœur Fanta. Tu disais qu'elle allait chez le missionnaire. Chaque jour, elle était chez le missionnaire. Elle a même habité là-bas. Elle préparait aussi. Oh, notre merci pour la vie de la sœur, car la sœur, oh, de lui dire qu'on est de toutes ces personnes, de Pasteur Théo, le frère Louis et beaucoup d'autres personnes. Pour nos anciens, l'ancien Lombé, l'ancien de Gonza, merci Seigneur pour leur vie. Tu impartes, Seigneur. C'est des personnes qui étaient attachées aux dirigeants. Et je les voyais fréquemment chez le dirigeant. Chacun se tupait d'un aspect spécifique de la vie du dirigeant. Et aucun d'eux n'est dans le besoin, aussi bien spirituel que professionnel. Merci Seigneur. Pour les diplômes que tu as donné à nos frères, nos sœurs, la sœur Carole, la sœur Lydie Koné et les autres qui sont attachés aux dirigeants, prenant un aspect spécifique de sa vie. Merci Seigneur. Et je comprends Seigneur pour ma part que je dois suivre le modèle Seigneur. Oh notre Dieu, bénis-nous Seigneur, afin que nous comprenions ces paroles d'une manière simple mais déterminante pour notre marche. Merci pour certains frères qui sont engagés à jeûner 3 fois de l'année pour le missionnaire, pour son succès. Oh notre Dieu, de son restant à la maison, on sacrifie la vie pour conduire le missionnaire et son épouse. Seigneur, oh notre Dieu, et nous voyons la manière dont ces personnes évoluent sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la vérité dans ça. C'est une vérité irréfutable. Nous prions, Seigneur, que chacun de nous ici saisisse ces paroles et que ces paroles ne tombent point dans des cœurs de pierre, mais dans des cœurs fertiles. Oh, Dieu, transforme-nous à partir de ce jour, Seigneur, que jamais nous ne cessons de nous moquer. Nous n'acceptons jamais de nous moquer de l'enfant d'un dirigeant, Seigneur. C'est une malédiction. Et nous avons vu certaines personnes se moquer, Seigneur, des enfants, des anciens, des dirigeants, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, et en est la conséquence de ces péchés. Oh Dieu, je pleure au notre Dieu que ce message soit entendu au nord, au sud, à l'est, partout en Côte d'Ivoire, et en suivant le modèle déposé par nos dirigeants, par le frère Jamen. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Te rendons grâce pour le service de Dieu. Seigneur, merci pour ton fils
Merci pour sa vie. Oh Dieu, je vais prendre cette décision de m'engager. Parce que tu es venu nous apporter la lumière suffisante pendant que nous sommes à 2 jours de la retraite. Tu parles à nos cœurs. Tu nous ramènes au service de Dieu. Des choses pratiques. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi parce que j'ai échoué. J'étais en train de trembler dans mon cœur, Seigneur. C'est un échec. Seigneur, pardonne-moi pour avoir négligé des choses pratiques. Oh Seigneur, je m'engage à revenir et je prie que Seigneur, tu me bénisses à revenir. Je prie Seigneur que tu bénisses l'Église tout entière. Seigneur, bénis ton Église parce que tu as envoyé la lumière suffisante pour nous délivrer. Sois loué, sois exalté. Merci pour ce modèle devant nous que tu utilises pour nous parler. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc comme je vous ai dit, j'avais abandonné mes études. So as I told you, I abandoned my studies. Parce que je pensais que c'est la mondanité. Because to me it was worldliness. Moi je voulais connaître Dieu. I wanted to know God. Je voulais voir les âmes être sauvées. I wanted to see souls saved. Un jour, one day, le frère sort de son bureau. When Isaac got out of his office, il me trouve dans la cour. And he met me in the compound. De sa maison, j'étais parti pour faire mon travail manuel. I went to carry out my manual labor. Et le frère Théodore était là. And brother Theodore was there. Il lui a dit, Théodore. He told him Theodore. Dis à ton disciple de rentrer à l'école. Tell your disciple to go back to school. Parce que Dieu m'a dit qu'il sera un académicien pour le royaume. Because God has told me I will be an academician for the kingdom. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Si tu es dans un bon environnement, if you are in a good environment, Dieu utilisera les dirigeants pour parler dans ta vie. God will use leaders to speak into your life. J'étais sincère. I was sincere. Mais sincèrement dans l'erreur. But I was sincerely j'étais in sincère error. D'abandonner mes études pour suivre Dieu. I was sincere to abandon my studies to follow God. Parce que j'étais irresponsable. It was not because I was irresponsible. C'était le zèle d'un jeune converti. It was the zeal of a young convert. Mais si je n'étais pas dans le bon environnement où on pouvait me corriger avec la parole de Dieu, je me serais perdu. But if I was not in the right environment in which I could be corrected with the word of God, I would have been lost. C'est le frère qui a dit au frère Théodore, dis à ton disciple, je l'ordonne qu'il rentre à l'école. It was Brother Zakuto, Brother Theodore, tell your disciple, I command him to go back to school. On était à moins un mois de la fin d'année. We were 1 month at least to the end of the year. Et je suis allé m'enfermer pour étudier pendant un mois pour aller composer. And I went to lock up myself to study for 1 month to go and write the exams. Et comme Dieu voulait me montrer que c'est lui qui a parlé à travers le frère Zach. And since God wanted to show me that it was the one who spoke to Brother Zach. Après seulement un mois d'études, après avoir raté toute l'année scolaire. After having lost the entire year but just 1 month of studies. J'étais le premier de la promotion. I was the first in my batch. Et j'avais obtenu une moyenne qui, ça faisait longtemps que personne n'avait obtenu cette moyenne dans la faculté. And I obtained an average that for a long time no one had obtained it in the faculty, in the department. Après ce temps-là, after that time, le frère a commencé aux nuits de prière à parler du fait que le frère Todo doit partir au Nigeria comme missionnaire, doit partir au Nigeria comme missionnaire et qu'il doit se préparer. Brother Zach started talking during his prayer nights that Brother Todo had to go to Nigeria as a missionary, he has to go to Nigeria as a missionary. And I should get ready. À l'une de nos retraites, during one of our retreats, avec notre faiseur disciple frère Théodore, with our disciple maker brother Theodore, il nous avait raconté l'histoire de City Stott. He shared with us the story of City Stott, l'anglais, the Englishman, qui avait laissé sa femme malade en Angleterre, who left his sick wife in England, pour aller parce que Dieu l'appelait pour aller prêcher l'évangile au Congo, to go and preach the gospel in Congo because God had called him there. Ce qui m'avait saisi, that laid hold of me, c'est qu'un jeune homme de 18 ans. What laid of me was that a young man of 18 avait décidé de suivre City Stott au Congo. Decided to follow City Stott to Congo. Il avait abandonné sa vie. And abandoned his life. Oh, l'autre là m'avait beaucoup touché, frère. That one struck me very much. Donc la semaine qui suivait, so the week that followed, je suis allé voir le frère Zach. I went and saw Brother Zach. Je lui ai dit, je vais accompagner le frère Théodore au Nigeria. I told him that I would accompany Brother Theodore to Nigeria. Parce que je voulais être comme ce jeune homme de 18 ans qui avait accompagné City Stott au Congo. Because I wanted to be like this young guy of 18 who followed City Stott to Congo. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Le frère Zach a refusé. But Zach refused.
Le frère Zach a refusé. Donc, je ne suis pas parti au Nigeria avec mon faiseur de disciples. So I did not go to Nigeria with my disciple maker. Je suis resté à Yaoundé avec le frère Zach. So I stayed in Yaoundé with brother Zach. Quelque temps après. A while later. À la nuit de prière. During the prayer night. Il nous conduisait à prier pour ses travaux de recherche à l'université. He was leading us to pray for his research works in the university. Et il avait dit, prions que Dieu me donne un assistant au laboratoire. And he said, let us pray that God will give me an assistant in the laboratory. La semaine qui suivait, the week that followed, je suis allé voir le frère Théodore. I went and saw Brother Theodore. Je lui ai dit, bon, regarde, hein. I said, you see, je ne sais pas moi pourquoi on fait toutes ces longues études ici. I don't know why we are carrying out all of these long studies. Le frère Zach a besoin d'un assistant au laboratoire. Brother Zach needs an assistant in the lab. Pourquoi on doit prier tout le temps? Est-ce que je ne peux pas être l'assistant? Why should we keep on praying all the time? Can I not be the assistant? Le frère Théodore a accepté. But the Théodore accepted. J'ai écrit ma lettre. I wrote my letter. Que j'ai envoyé au frère Zach. I sent it to Brother Zach. Vous dites que non, frère Zach. I said, maybe, tu es mon père, Zach, tu es mon faiseur de disciples. You are my father, you are je ne sais pas comment tu peux voir un besoin dans ta vie. I don't know how I can see a need in your life. Un besoin que tu exprimes même à la nuit de prière. A need that you express at the prayer night. Et moi je peux. And I can do it. Et je suis là. And I'm there. Et on prie, je dis amen. And the prayer and I say amen. Et je ne fais rien. And I'm doing nothing. Je dis non, je m'engage à être ton assistant au laboratoire. I said no, I'm committing myself to be your assistant in the lab. 2 semaines après, 2 weeks later, il rencontre le frère Théodore. He met Brother Theodore. Il lui dit, ton disciple m'a écrit. He said, your disciple wrote to me. J'ai lu sa lettre. I read his letter. Le frère Théodore lui dit, oui, il a partagé avec moi. Brother Theodore said, yes, he shared with me. Il a dit non. He said no. J'étais encore devant le Seigneur. I was still before the Lord. Il ne va pas être mon assistant au laboratoire. He will not be my assistant in the laboratory. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il serait un académicien pour le royaume de Dieu. Because the Lord told me that he will be an academician for the kingdom of God. C'est la deuxième fois, n'est-ce pas? That was the second time, right? Moi, je me demandais. I was asking myself. Je serais même un académicien de Dieu comment? How? What kind of academician for God would I be? Frère, vous connaissez comment ça peut être dur au Cameroun d'être un enfant d'un paysan? You know how difficult it can be to be the child of a farmer. Toutes les bourses passent par le ministère de l'enseignement supérieur. You cannot even get into the ministry of les bourses suisses, les bourses allemandes, les bourses de tel gouvernement. Ça passe par le ministère de l'enseignement supérieur. Scholarships to go and study in Switzerland, in Germany, in England and the rest, they go through the ministry of extended higher education. Ton oncle n'est pas là, ta tante n'est pas là, ton grand frère n'est pas là-bas. Tu vas, ton dossier va même apparaître à la commission de sélection. Your parents, your aunt, nor your aunt. Is there? How can he's not there? Cette how histoire can que le frère Zach ne fait que recevoir que je serai un académicien pour le royaume. Ça va même se passer comment? How would this revelation of Brother Zach is always getting out to be an academician for the kingdom? How would this happen? Une grande crise s'est abattue sur le Cameroun. A great crisis came upon Cameroon. La plupart des professeurs d'université ont fui pour aller à l'étranger travailler. Many university professors left Cameroon to go and work abroad. Parce qu'on avait réduit les salaires des fonctionnaires au Cameroun au quart. Because they had slashed the salaries of civil servants in Cameroon to 1/4. En l'espace de 2 mois. In a space of 2 months. On avait d'abord réduit de moitié. It was first of all cut into half. Le mois qui suivait. The month that followed. On a encore réduit la moitié à la moitié. They cut the half into half. Un professeur d'université qui avait 1 million de francs s'est fait retrouver avec 250 000. A university professor who had 1 million francs found himself with 250 000 francs. Et certains d'entre eux vivaient dans des maisons dont la location était 300 000. And some of them lived in houses whose rents were 300,000. C'est-à-dire que ton salaire ne suffit même pas pour louer ta maison. It means your salary is not even enough to pay your house. Et ils sont partis. And they went. Il y a eu une exode dans l'enseignement supérieur. And there was an exodus in higher education. Et on a suspendu les cours dans les universités pendant environ 1 an ou 2 ans. And lectures in the university were suspended for about 1 or 2 years. Et j'étais là. And I was there. Et le frère Théodore était parti au Nigeria. And Brother Theodore had gone to Nigeria. Et le frère Zach ne me disait pas grand-chose sur l'avenir. And Brother Zach was not saying something great about the future. Mais j'étais fidèle aux nuits de prière. But I was faithful at the prayer nights. Fidèle à rendre compte. I'm faithful to give accounts. Et j'étais déjà dirigeant d'assemblée. And I was already an assembly leader. Et j'étais fidèle à diriger mon assemblée. Et j'étais fidèle à diriger l'assemblée. And I was faithful in leading my assembly. Et à conduire les réunions d'évangélisation. And leading evangelistic meetings. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Un jour, one day, un de mes camarades avec qui on avait fait le lycée, one of my classmates whom we had studied in secondary school, il m'écrit de l'Allemagne. Wrote to me from Germany.
Il me dit Njamen. He said Njamen. Tel que je connais ton cursus. As much as I know your path. Je suis maintenant en Allemagne. I'm now in Germany. Je connais une bourse du gouvernement allemand. I know a German government scholarship. Qui ne passe pas par le ministère de l'enseignement supérieur. Which does not go through the Ministry of Higher Education. Tu pars à l'ambassade. Go to the embassy. On te donne les documents. Give you the documents. Tu les remplis. Fill them. Tu cherches toi-même un professeur allemand qui accepte d'encadrer tes travaux. You look for a German professor who accepts to supervise your work. Et la commission de sélection est constituée des professeurs allemands qui se réunissent à Bonn. And the committee, the choosing committee is made up of German professors who meet in Bonn in Germany. Quand j'ai reçu sa lettre, when I received the letter, je me suis dit, ah, non. I said no. Comment ça? L'Allemagne? Germany? La deuxième langue que j'avais choisie quand je faisais le collège, c'était l'allemand. The second language I chose in college was German. Frère, je suis faible en langue. I am weak in languages, brother. Très faible. Very weak. Très faible en deuxième langue. Very weak in the second language. Je peux rester avec vous ici pendant 10 ans. I can stay with you here for 10 years. Peut-être je vais parvenir à apprendre deux mots en dialecte. Peut-être bonjour et bonsoir. Maybe I'll learn how to speak two words in the native language. Maybe ne pensez pas que c'est parce que je ne veux pas apprendre. Hein? It's not because I don't want to learn. Les langues me tapent. Languages beat me. Donc quand j'étais au collège, so when I was j'avais college, choisi l'allemand comme deuxième langue. I chose German as a et quand j'ai fait la classe de troisième, and when I got ma to première note en classe en allemand, c'était 3,75. Suivant. Ma première note, c'était 3,75. My first mark was 3.75 on 20. Et cette année-là, and that year, l'office du BEPS avait décidé que si quelqu'un a moins de 5 sur 20 en deuxième langue, il est éliminé. The officer was in charge of the ordinary levels said that if someone had lower than 5, mais j'aimais les matières scientifiques. Eliminated. J'aimais les matières scientifiques. But I loved scientific subjects. Sciences naturelles. Natural sciences. Ce qu'on appelle dans SVT là. What is called natural sciences. Les mathématiques. Mathematics. Il y avait même une matière qu'on appelait technologie. There was another subject called technology. C'est là-bas que j'avais 20 sur 20, 19 sur 20, 18 sur 20. That's where I had 20 on 20, 18 on 20, 19 on 20. Et je me suis présenté au BEPC. So I got to the ordinary levels. Frère, quand j'ai pris mon relevé de notes, when I took my mark sheet, j'ai vu allemand 0,5 sur 20. I saw German 0.5 on 20. Je ne pense pas que j'ai eu 5, hein. Je pense que comme j'avais eu des bonnes notes en mathématiques, technologie et SVT, là, hein, ils m'ont juste donné 5 pour que je ne sois pas éliminé. I don't think that I had 5, but I think that just because I had good notes in the other science subjects, they just gave me the 5 so that I should go. Donc quand mon ami m'a écrit, so when my friend wrote to me, il dit non, vraiment, l'histoire de l'allemand là. I told him, well, this issue of German. Non. I said no. J'ai d'abord jeté la lettre. I first of all threw the letter aside. Quelques jours plus tard. Few days later. Une pensée m'est venue. A thought came to me. Je me suis souvenu d'un camarade qu'on avait au lycée. I remembered a classmate that we had in high school. On l'avait orienté, le conseil de classe l'avait orienté en série A. Littéraire. The class council had sent him to do the arts. Mais le gars avait décidé qu'il va faire science. But that guy decided that he would do the sciences. Donc quand on se levait le matin pour aller au lycée. So when we came back to go to high school. Il y avait un gros livre de mathématiques comme ça pour les séries scientifiques, les séries C. Qu'on appelait Monge, c'était un livre français. There was a big mathematics book called Monge. It was a French book. Notre camarade ne comprenait rien en maths. That our classmate understood nothing in mathematics. Mais il avait décidé d'inscrire son nom en série C. But he decided to register his name in the science. Se lever le matin pour aller au lycée. So when we got up in the morning to go to school, il te donne le livre de Monge. Tu arrêtes. He will give you the Monge book and you hold it. Il récite tout. He will recite everything. Il récite tout. He will recite and then les théorèmes avec les démonstrations et les exercices d'application, il récite seulement. The theories and the applications and all of that he recites. Frère, brethren, aujourd'hui, today, ce gars, that guy, il est un professeur de chimie organique au Canada. He is a professor of organic chemistry in Canada. Donc quand j'ai pensé à lui, so when I thought about him, dit, mais comment? I said but. Donc c'est seulement la fête d'allemand là qui va me dépasser. So is it that German that would be above me? Toutes les déclinaisons et machins qu'on fait, les datifs et accusatifs, je vais juste réciter. All the declinations, the accusatives and the nominatives that they do.
Donc je suis allé déposer mon dossier, il dit, mais ça c'est même quoi? So I went and presented my file. I said, what is this? Et on m'a sélectionné, gloire à and Dieu. And I was selected, praise the Lord. Quand on m'a sélectionné, je suis allé au bureau du frère Zach. So when I was selected, when I was chosen, I went to Brother Zach. Pour lui montrer la lettre d'attribution de la bourse. And I showed him the letter of the admission to the scholarship. Il était content. And he was happy. Il a prié pour moi. He prayed for me. Il m'a dit, he told me, je t'envoie comme missionnaire en Allemagne. I'm sending you like a missionary to Germany. Dieu a décidé que c'est le gouvernement allemand qui va payer tes frais de mission. God has decided that it is the German government that will pay your mission allowance. Quand tu arrives là-bas, when you get there, prêche l'évangile. Preach the gospel. Implante une assemblée dans ta chambre à l'université. Plant an assembly in your university room. Et il m'a dit, and he told me, Dieu donné. Dieu donné. Partout où tu pars, wherever you go, sois un serviteur. Be a servant. Acclame pour l'autre là. Clap for that. Ce n'est pas le fait que j'ai été sélectionné. Gloire à Dieu. It's not the fact mais that I was selected. La leçon de ma vie. Praise the Lord, but it was a lesson la of leçon my life. De ma vie. The lesson of my life. Frère, brethren, Dieu a son cachet dans la vie de chacun d'entre nous. God has his stamp on the life of each and every one of us. Dieu a sa signature dans la vie de chacun d'entre nous. God has his signature on the life of each one of us. Bien-aimé, beloved, si je cesse d'être un serviteur, if I stop being a servant, je vais sortir de dessein de Dieu. I will leave, I will go out of God's purpose. Partout où je pars, for wherever I go, je suis un serviteur. I'm a servant. Le frère Zach m'a dit, Zach told me, Dieu donné, partout où tu pars, wherever you go, sois un serviteur. Be a servant. Un serviteur a toujours de la place. A servant always has a place. Dis à ton voisin, un serviteur a toujours la place. A servant always has a place. Tell your neighbor that. Bien-aimé, ce sont des patrons qu'on résiste. Beloved, people always resist bosses. Les gens résistent les patrons. People resist bosses. Mais les gens acceptent toujours les serviteurs. But people always accept servants. Si tu es un serviteur, if you are a servant, tu auras toujours la place. You always have your place. Tu seras toujours accepté. You always be accepted. Voilà la parole avec laquelle il a fait mon send-off dans son bureau à l'université. That is the words with which he made my send-off in his office at Dieu university. Donné. Dieu donné. Partout où tu pars. Wherever you go. Sois un serviteur. Be a servant. Sois un serviteur. Be a servant. Le service. Service. C'est une carte qui gagne. Is a winning card. Même dans le cœur de Dieu. Even in God's heart. C'est une carte qui gagne. It's a winning card. Même dans le cœur de Dieu. Even in God's heart. Dans le cœur de Dieu. In God's heart. Le service. Service. C'est une carte qui gagne. It's a trump card. Dans le cœur des hommes. In the heart of men. Le service. Service. Est une carte qui gagne. It's a trump card. Sois toujours un serviteur. Always be a servant. Sois toujours un serviteur. Always be a servant. Voilà la parole de mon send-off. That is the word of my send-off. Dans le bureau du frère Zach à l'université. In Brother Zach's office in the university. Et j'ai pris le vrai avion cette fois-ci. Hein? Pour aller en Allemagne. This time around, I took a true aeroplane to go to Germany. Ce n'est pas le voyage à l'étranger que je faisais du village pour aller au. Hein? Cette fois-ci, c'est vraiment aller à l'étranger. It's not the journey abroad that I took from the village to the city. This time, it was truly going abroad. Bien-aimé, Dieu m'a élevé pas à pas. Beloved, God has raised me step by step. Je me suis battu. I struggled. À marcher avec Dieu comme je comprenais. To walk with God as I understood. Je me suis battu. I struggled. À suivre mes dirigeants comme je pouvais. To follow my leaders as I could. Et Dieu m'a élevé étape par étape. And God has raised me step by step. C'est quand j'arrive en Allemagne. But when I got to Germany. Que je me rends compte que Dieu m'a juste amené dans un institut. That I realized that God has just. Il n'avait jamais reçu un noir. God had just brought me into an institution that had never received a black man in the past. Au CHU de Cologne en Allemagne. At the University Teaching Hospital in Cologne in Germany. J'étais dans le laboratoire qui faisait la génie génétique. I was at the laboratory that was doing genetic engineering. Et j'ai fait une excellente thèse. And I carried out an excellent research for my dissertation. En médecine interne. For internal medicine. En endocrinologie et diabétologie. In endocrinology and diabetology. À la fin de ma thèse.
At the end of my thesis, mon patron avait juste fait une note et on m'avait pris à l'Institut de recherche sur le diabète à Düsseldorf. My boss only wrote a letter and I was taken at the diabetology research center in Düsseldorf. Et j'ai travaillé pendant 3 mois. And I worked for 3 months. Mais quand j'ai commencé à travailler en Allemagne, and when I started working in Germany, j'ai perdu la paix dans mon cœur. I lost peace in my heart. Chaque jour, every day, lors de ma méditation, during my meditation, il n'y avait que la vie. Je voyais le frère Zach. I was only seeing Brother Zach. Ce n'est pas une sorte de sorcellerie, hein. Non, c'est juste que dès que j'ai commencé le travail à Düsseldorf, j'ai perdu la paix dans le cœur. It's not witchcraft. Et chaque fois, ma pensée ne me ramenait qu'à Yaoundé auprès du frère Zach. It's not witchcraft. Just that when I began working in Düsseldorf, my mind was only going to Yaoundé and I was only seeing Brother Zach. Donc, je suis rentré un jour. So one day I got home. J'ai dit à mon épouse. I told my wife. Nous devons rentrer. We should go back. Faut qu'on rentre au Cameroun. Let's go back to Cameroon. Moi, je veux aller travailler aux côtés du frère Zach, au pied du frère Zach. I want to go and work under Brother Zach. Je n'ai même pas cherché le travail pour avoir un travail ici. I did not even look for a job to be able to get a job Mais here. Mais je n'ai pas la paix dans mon cœur. And there was no peace in my heart. Donc, on a arrangé nos choses pour rentrer nous. So we just packed our luggage and we went back. Et je suis rentré. And we went back. Mon épouse est même rentrée 2 semaines avant moi. My wife even got back 2 weeks before me. Et quand je suis arrivé à Yaoundé, so when I got back to Yaoundé, j'ai atterri la nuit. I landed in le lendemain, je suis allé chercher le frère Zach. In the morning, I went to look for Brother Zach. Il m'a vu. He saw me. Il était très content. He was very happy. Et il m'a embrassé. He embraced me. Il ne m'a même pas posé la question, pourquoi tu es rentré? He did not even ask the question, why did you come back? Il était très content que je sois revenu. He was so happy that I had come back. Et il m'a dit, he told me, la prière ce soir, c'est à partir de minuit. That we pray tonight from midnight. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Bien-aimé, le Seigneur m'a élevé d'un point à l'autre. The Lord raised me from one place to another. Au fur et à mesure que je suivais le Seigneur autant que je comprenais. As much as I followed the Lord, the way I understood. J'ai d'abord travaillé au CHU de Yaoundé. I first of all worked at the University Teaching Hospital in Yaoundé. Au département de médecine interne. At the Department of Internal Medicine. 2 ans après. 2 years later. On m'a recruté comme assistant. On a recruté à l'université d'abord comme au grade assistant. I was recruited first of all at university as an assistant. Et en 2002. And in 2002. Le frère, j'étais dans son bureau avec lui. I was in Brother Zach's office. Il me dit Dieu donné. He told me Dieu donné. J'ai besoin de quelqu'un. I need someone. Qui va aller étudier le développement des médicaments en pharmacie? We will go and study the development of medicine in the pharmacy. Parce que le frère Zach était un chimiste hors pair. Because Brother Zach was a chemist, a high-level chemist. Il avait 2 branches de recherche. He had 2 research branches. Il faisait la synthèse des hétérocycles. He was doing heterocycle synthesis. Les hétérocycles, c'est un groupe de composés en chimie. Heterocycles is a composition in chemistry. Et de l'autre côté, at the other end, il isolait les molécules naturelles à partir des plantes. He used to isolate natural molecules from plants. Il avait 2 axes de recherche. So he had 2 research axes. Et il avait développé des mécanismes de synthèse extraordinaires. And he had developed mechanisms of synthesis at an extraordinary level. Et comme il fallait trouver l'application de ces molécules. And since he had to find the application of these molecules, certaines molécules pouvaient être utilisées en pharmacie. Some molecules could be used in the pharmacies. En médecine humaine. In human medicine. En médecine vétérinaire. In veterinary medicine. En agriculture. In agriculture. Et il envoyait ça à un certain professeur aux États-Unis pour faire des tests biologiques. He used to send it to a certain professor in the United States to carry out biological tests. Et un professeur américain venait de détourner ses composés. And an American professor had just siphoned his composites. Avait démissionné de l'université pour commencer son industrie. And had resigned from the university to begin his industry. Oh, le frère Zach avait consacré ses recherches à Dieu. Meanwhile, Brother Zach had consecrated his research to God. Un jour, il partage avec moi. So when he shared it with me. Il dit, Dieu donné, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai urgentement besoin de quelqu'un. He said, Dieu la pharmacie. He said, Dieu donné, I urgently need someone who would study pharmacy.
pour m'aider à valoriser ces composés-ci pour que nous continuions pas à livrer ce que Dieu nous a donné aux voleurs. To help me to analyze these composites so that we don't continue to lose what God has given us to thieves. Frère, en ce moment-là, but in that time, je crois que j'avais déjà fait un certain progrès dans le Seigneur. I think I'd already made some progress in the Lord. Un dirigeant ne partage pas les fardeaux avec toi pour la curiosité. A leader does not share his burdens with you for curiosity's sake. Si un dirigeant partage quelque chose avec toi, c'est parce qu'il s'attend à ce que tu fasses quelque chose. If a leader shares something with you, it's because he expects that you should do something about it. Dès que le frère a partagé ça avec moi, as soon as Brother Zach shared it with me, j'ai commencé à chercher une bourse pour aller faire pharmacie. I started looking for a scholarship to go and study pharmacy. Et Dieu a ouvert une porte. And God opened the door. Et j'ai obtenu une bourse de l'université de Valence en Espagne. I obtained a scholarship for the University of Valencia in Spain. Et je suis parti là-bas à la faculté de pharmacie. And I went there to the faculty of pharmacy. Et j'ai fait une deuxième thèse. And I did a second dissertation. Sur le développement des médicaments. On the development of medicine. Donc, quand vous entendez que le frère Dieu donnait à deux doctorats. So when you hear that Brother Dieudonné has two PhDs, ne pensez pas que c'est parce que le frère Dieudonné voulait être un grand type qui a deux doctorats. Don't think that's because Brother Dieudonné wanted to be a great man who has two PhDs. Je voulais rendre un service à mon faiseur de disciples. I wanted to be of service to my disciple maker. Mon faiseur de disciples avait un besoin. My disciple maker had a need. Et s'il a partagé avec moi, and if he shared it with me, ça sert à quoi d'entendre et ne rien faire? Of what use it is to hear and then not act? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. There are many people who complain. Le dirigeant veut faire tout seul. The leader can do it all. Il ne nous dit rien. He does not tell us anything. Il ne partage pas avec nous. He does not share with us. Bien aimé. Beloved. S'il a partagé la première chose. When he shared if he shared the first thing. Tu n'as rien fait. And you did nothing. Il a partagé la deuxième. And he shared the second. Tu n'as rien fait. And you did nothing. Il a partagé la troisième. And he shared the third. Tu n'as rien fait. You did nothing. Tu veux qu'il partage encore pourquoi? Why do you want him to continue sharing? Pourquoi devrait-il continuer à partager avec Why vous? Should he continue to share with you? C'est le Congo ça. Is it gossip? Papato? Quand ton dirigeant partage un fardeau avec toi, when a leader shares his burden with you, c'est pour que tu fasses quelque chose. It's for you to do something. Ce n'est pas pour une information. It's not for information's sake. Ce n'est pas pour que tu dis, ah, maintenant je suis un grand type ici à la CMCI. It's not for quand you to say. Quand le frère Meunier a quelque chose, c'est moi qui m'appelle pour me dire. It's not that I'm a great person in CMFI, but I mean he has something, I'm the one that he calls to share with. Frère, c'est que tu n'as rien compris. Brother, it means I have understood nothing. Je vais vous dire. Let me tell you. Généralement, les hommes ne bavardent pas beaucoup. Generally, men don't speak. Même la psychologie humaine a démontré. Even human psychology has showed it. Que les hommes ne parlent pas beaucoup. That men don't speak much. Il y a certaines femmes. There are some women. Que j'appelle les femmes insensées. That I call unwise women. Et si elle n'est pas intéressée au fardeau de son mari. She's not interested in the burden of her en husband. En réalité, elle s'est retirée elle-même. In reality, if she's not interested in the burden of his husband, it's because Mais she has withdrawn. Elle sera la première à se plaindre que son mari l'a mis hors de sa vie. She will be the first to complain that her husband has put her out of his service. Quand il a des fardeaux, when he has burdens, qu'est-ce que tu en fais? What do you do about it? Tu l'aides en quoi? In what do you help him? Pourquoi devrais-tu continuer à partager avec toi? Why should he continue sharing with you? Les femmes sont fâchées. Are women angry about it? Les femmes, vous êtes fâchées. Sisters, are you angry? Si Dieu a donné quelque chose à ton mari, if God has given something to your husband, et il vit avec le fardeau là dans son cœur, and he's with that burden in his heart, et ça l'écrase, and it's crushing him, et il partage avec toi, and he shares it with you, ça te laisse à 37, and it leaves you normal. S'il est un pasteur, if he has a pastor, et il porte le fardeau de telle brebis. And if he's a pastor, he carries the burden of this sheep. Ça te laisse à 37. It leaves you at 37 degrees. Certains sont même plutôt fâchés. Some are even angry. Ça veut dire que la brebis est plus dans ton cœur que moi. Hein. It means that sheep is more in your heart than me. Hein. La prochaine fois. Next time. Quand tu le traites comme ça là. When you treat him that way. La prochaine fois. Next time. Quand il a une autre brebis qui lui pose des problèmes. When he has a sheep that lays problems to him. Il devrait partager avec toi pourquoi? Why should he share with you? Non, dites-moi. Please tell me. Il devrait encore partager avec toi. Why should he share it with you? Tu
Tous ceux qui se plaignent. All those who complain. Notre dirigeant fait tout seul. Our leader does everything alone. Et il ne partage pas avec nous. He does not share with us. Quand il a ses choses, il ne dit pas. When he has his things, he does not tell us. Tu veux qu'il devienne mendiant? Do you want him to become a beggar? Tout ce qu'il a déjà partagé, tu en as fait quoi? What he has already shared, what did you do with it? Tu as fait quoi pour l'aider? What did you do to help him? Pourquoi devrait-il continuer à partager? Why should he continue to share with you? Il a partagé qu'il y a telle brebis qui lui cause des soucis. He shared that there is this sheep who is a worry to him. Tu as pris un jeûne de 3 jours pour que la brebis là soit délivrée. Did you take a 3-day fast for that sheep to be delivered? La prochaine brebis qui aura des problèmes, pourquoi tu veux qu'il te dise? The next sheep that will have a problem, why do you want him to tell you? S'il continue à te dire. If he continues telling you. Même aux yeux de Dieu, ce n'est pas la calomnie. Even in God's eyes, is that not calomnie? Non, dites-moi. Tell me. Même aux yeux de Dieu, Dieu ne va pas juste te dire que ton mari est en train de calomnier, que de calomnier les brebis avec toi. Even in God's eyes, would he not say that your husband is gossiping about that sheep to you? On lui a donné un loup but comme ça là pour son centre. They gave him a big goal for his center. Et tu n'as rien fait. And you did nothing. Même rassembler même les jeunes convertis pour prier pour lui, rien. Even just to gather young converts to pray for him, nothing. Si tu vois une jeune sœur qui lui donne le bisap, tu veux mourir. If you see a young sister who gives him bisap, you get angry. You want to die. Après, tu es la première à te plaindre. Il ne partage pas avec moi. Il ne me parle même pas. Il ne me dit pas ces choses. And after that, you'll be the first person to complain. He does not share his things with me. He does not tell me anything. S'il est vraiment un homme qui marche avec Dieu, if he's truly a man who works même with s'il God, continue à parler avec toi, even if he continues speaking même with le Saint-Esprit va le juger dans son cœur, even the Holy Spirit will judge him in his heart. Pourquoi? Why? Parce que ce partage aux yeux de Dieu s'est transformé en une calomnie. Because that sharing in God's eyes has been transformed into calomnie. Il n'est pas en train de partager avec une personne qui porte le fardeau avec lui. He's not sharing with someone who carries the burden with him. Chaque fois que tu t'assois avec quelqu'un, each time you sit with someone, pour parler des membres de l'assemblée, to speak about a member of the assembly, si ce n'est pas pour prier pour ce membre de l'assemblée, c'est la calomnie. If it's not to pray for that assembly member, it is calomnie. Amen. Amen. Si tu t'assois avec ton co-disciple, if you sit with your co-disciple, pour parler de l'enfant de votre dirigeant, to speak about the children of your leader, et ce n'est pas parce que vous êtes en train de dire, prenons un jeûne de 7 jours pour prier pour que l'enfant s'y rencontre Dieu. If it's not because you are sitting to decide to take a 7-day fast for God to meet that child, vous êtes en train de calomnier. You are committing slander. Après avoir raconté, vous allez faire quoi? After having talked about it, what will you do? Donc frère, quand vous entendez, so brother, when you hear, le professeur Njamin a 2 doctorats. Professor Njamin has 2 PhDs. Ce n'est pas parce que je voulais avoir des titres dans le monde. It's not because I wanted to have titles in the world. Dieu le sait. God knows. Je suis allé à Valence en Espagne pour faire une thèse en pharmacologie pour venir développer les substances naturelles comme on faisait des disciples étaient en train d'isoler. Pour que les gens ne continuent pas à voler. I went to Valencia in Spain to study pharmacology to come and apply the molecules that my disciple maker was isolating so that people will not continue to steal them from him. En 2008, in 2008, j'avais un bon dossier. I had a big file. J'étais encore tout jeune. I was still very young. À peine 40 ans. I was just 40. Et il a dit, mais ton dossier est très bon. He said, well, but your file is so good. Envoie pour l'agrégation. Send it for aggregation. J'ai envoyé le dossier. I sent it. Au conseil de faculté. At the faculty council. On a discuté. They argued. Les professeurs ont discuté. The professors argued. Ils ont discuté. The professors argued. Ils ont discuté. They argued. Au point où un professeur qui n'est même pas de mon domaine, un professeur de physique. And such that a professor who is not even in my domain, a professor of physics. C'est quelqu'un, un autre professeur qui m'a rapporté. It was another professor who told me. A demandé. Asked. Je dis. I said. Est-ce que nous sommes en train d'étudier le dossier? Ou alors vous avez un autre problème avec le candidat Jamin Dieudonné. Are we studying the file or you people have a problem with the candidate Jamin Dieudonné? Quand j'ai appris ça, when I heard that, je suis allé au bureau du frère Zach. I went to Brother Zach's office. Je dis, ah, frère Zach, I said, Brother Zach, laissons tomber cette histoire d'agrégation. Let us leave this issue of getting to the professorship. C'est même quoi? What is it? Les gens du monde discutent cette histoire parce que c'est tout ce qu'ils ont. People of the world are arguing over this statue because that's all what they have. Moi, je suis un prédicateur de l'évangile. I'm a preacher of the gospel. Ça, c'est plus grand que tout. It's more than everything. Et bien, laissons l'histoire.
He said, let's leave it. Je ne n'envoie même plus le dossier. I'm no longer sending it. Il m'a dit, tais-toi. Tais-toi. Be quiet. Ce n'est pas pour toi. It's not for you. C'est pour le royaume de Dieu. It is for the kingdom of God. Donc l'année qui suivait, so the year that followed, j'ai encore envoyé le dossier. I sent it again. Et je suis passé maître de conférence. And I went for an associate professor. Yeah. I was now an associate professor. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et 4 ans plus tard, and 4 years later, donc mon dossier était prêt. My file was ready. Pour passer professeur titulaire d'université. I went to full professor of the donc university. Donc quand je partais au conseil de faculté, so when I was going to the faculty council, quand on passait, when I was passing, pour aller au conseil de faculté, à la salle des actes de la faculté, when I was going to the hall of the faculty, les étudiants qui ne me connaissaient pas, the students who did not know me, ils pensaient que j'étais en train d'aller voir un professeur là-bas pour lui demander un papier. They thought I was going there to see a professor asking for some papers. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Le petit gars du village là, that little village boy, Dieu l'a amené. God has carried him. L'a amené, l'a élevé point par point. Raised him point by point. Et il était devenu le plus jeune professeur de la faculté. Became the youngest professor of the faculty. Ça, c'est le gars du village. This is the village boy. Qui, quand il a pris la voiture pour aller seulement à 20 km, a commencé à vomir dans la voiture. That when he took the car to go just for 20 km from the village, frère, he had to throw up. Dieu a ses desseins dans ta vie. Brethren, God has his purposes for your life. Et rien ne peut l'empêcher. And nothing can stop it. Rien ne peut l'empêcher. Nothing can hinder it. Pour couronner tout. To crown it all. En 2004. 2004. Le frère Zach est parti en Beijing, comme vous connaissez. Bolazar went to Beijing, as you know. Et pendant cette retraite, during that retreat, Dieu le Père est entré dans sa chambre. God the Father got into his room. A posé sa main sur lui. Laid his hand on him. Et a proclamé sur lui 84 choses. And proclaimed on him 84 things. Parmi lesquelles, among which, Dieu lui a dit, God told him, tu m'as servi avec ta vie académique. You have served me with your academic life. Et cela m'a plu. And it has pleased me. C'est une joie pour le ciel. It is joy for heaven. Et comme le bâton de berger de Moïse. And like Moses' rod, the rod of his rod of Moses and his shepherd, I accept. J'accepte tes travaux de recherche. Your research work as an academic. Et à partir d'aujourd'hui, and from today, il y a un département spirituel à la CMC. There is a spiritual department in CMFA. Appelé la science pour la conquête du monde pour Christ. Called World Conquest Science for Christ. Donc bien aimé. So beloved brethren. Le département de la science pour la conquête du monde pour Christ, ce n'est pas juste parce que le frère Zach était professeur d'université. So the department World Conquest Science for Christ is not just because Brother Zach was a university professor. Dieu nous a donné ce département comme un département spirituel. God gave us his department as a spiritual department. Parce que le frère Zach a mené devant lui une vie qui l'a plu. Because Brother Zach lived before God a life that pleased God. Et comme Dieu pouvait utiliser le bâton de berger de Moïse, and as God could use Moses' shepherd staff, et comme Dieu pouvait utiliser le mouchoir de l'apôtre Paul, and as God could use the apostle Paul's handkerchief, et comme Dieu pouvait utiliser même l'ombre de l'apôtre Pierre, and as God could use even the shadow of the apostle Peter, Dieu a décidé d'utiliser même la science que le frère a fait pour la conquête du monde pour Christ. God decided to use the sciences that Brother Zach did for world conquest for Christ. Beaucoup de gens font la recherche dans le monde. Many people are carrying out research in the world. Il y a même beaucoup de personnes dans le monde qui ont des prix Nobel. And there are even many people in the world who have Nobel prizes. Mais Dieu n'a rien dedans. But God has nothing in it. Mais Dieu n'a rien dedans. But God has benefited Dieu dans sa souveraineté. But God in his sovereignty a vu que la vie du frère Zach lui a plu. Saw that Brother Zach's life pleased him. Et il a accepté tout ce que le frère Zach est et tout ce qu'il a. And he accepted everything that Brother Zach is and everything that he has. Et Dieu lui a dit dans ce message. And God told him in that message. Toi. You. Et jamais Dieu donné. And jamais Dieu donné. Je vous appelle. I call you. À faire la science. To do sciences. Pour exalter le nom de Seigneur Jésus Christ. To exalt the name of Jesus Christ. Et quand le frère Zach est venu de Chine. And when Brother Zach came back from China. Quelques jours après. A few days later. On s'est rencontrés. We met. Il m'a dit Dieu donné. He told me Dieu donné. Dieu m'a dit quelque chose. God told me something. Et dans ce message, quelque chose m'intrigue. And in that message, something baffles me. Frère, je ne suis pas le premier étudiant du frère Zach. But I'm not the first student of Brother Zach. Je ne suis pas son premier co-ouvrier dans la science. I am not his first co-worker in Et science. Je ne suis même pas le plus brillant de ses co-ouvriers dans And la science. And I am not even the most brilliant of his co-workers. Mais il m'a dit.
And he told me, une chose qui m'a, Dieu m'a surpris dans ce message. One thing that God baffled me in this message, c'est qu'il a dit mon nom et ton nom. Is that he said my name and your name. Et Dieu veut que toi et moi que nous ayons un prix Nobel pour élever le nom du Seigneur Jésus. And God wants that you and I should have Nobel prizes to exalt the name of Jesus Christ. Voilà d'où vient notre département de la science pour la conquête du monde. That is where our department, World Conquest Science for Christ, comes from. Donc Dieu s'attend. So God is expecting. Et Dieu nous appelle. And God is calling us à faire de la science de haut niveau. To carry our sciences at highest level. Et d'avoir des résultats scientifiques et des découvertes. And to have results and discoveries. Qui vont secouer le monde de la science. That will shake the scientific world. Et glorifier le nom du Seigneur Jésus. And glorify the name of the Lord Jesus Christ. Parce que Jésus Christ est le Seigneur de la science. Because Jesus Christ is the Lord of science. Par qui et pour qui toutes choses ont été créées. For whom and by whom all things were created. Nous attendons à avoir beaucoup de découvertes en science. We are expected to have many discoveries in science. Et à bouleverser le monde avec nos résultats scientifiques. And to turn the world upside down with our scientific discoveries. Pour élever et pour glorifier le nom du Seigneur Jésus Christ. To exalt and glorify the name of Jesus Christ. Et pas seulement moi. And not only me. Tous les enfants du frère Zach. All of Brother Zach's children. Partout dans le monde. Everywhere in the world. Y compris ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire. Including those who are here in Côte d'Ivoire. Dieu nous appelle. God is calling us. À faire la science. To carry out sciences. Nous devons utiliser la science. We must use sciences. Pour ouvrir les portes pour l'évangile. To open doors for the gospel. Nous devons utiliser la science. We must use sciences. Pour générer les fonds. To generate funds. Pour l'entreprise de l'évangile. For the gospel enterprise. Hallelujah. Hallelujah. Donc si tu es dans la science. So if you are in the sciences. Pas seulement en chimie. Not only in chemistry. Pas seulement en pharmacie. Not only in pharmacology. Dans n'importe quel domaine de la science. In whatever domain of science. Et tu veux faire la science pour glorifier Jésus-Christ. And you want to carry out sciences to glorify the Lord. Et tu veux utiliser tes titres académiques. And you want to use your academic titles. Pour servir le royaume de Dieu. To serve the kingdom of God. Et pour ouvrir les portes à l'évangile. And to open doors for the gospel. Et pour investir dans l'évangile. And to invest in the gospel. Tu es bienvenu pour faire partie de notre département. You are welcome to be part of our department. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. On ne glorifie pas le nom du Seigneur avec la médiocrité. We don't glorify the name of the Lord Jesus Christ with mediocrity. Nous donnons au Seigneur Jésus Christ. We give to the Lord Jesus Christ. Le Seigneur de la gloire. The Lord of glory. Tout ce qui est meilleur. All that is the best. Si ce n'est pas ton meilleur. He says, give me your best. Ne lui apporte pas. If you don't give him your best, don't bring it. Si ce n'est pas ton meilleur. If you don't have your best. N'apporte pas au Seigneur de la gloire. Don't bring it to the Lord of glory. N'apporte pas au vainqueur sur la croix. Do not bring it to the victor of the cross. Je n'ai pas instruit la thèse de Kaku parce qu'il est un frère. I did not instruct Brother Kaku's thesis because he's a brother. S'il n'y avait pas de la substance dedans, je n'aurais pas instruit cette thèse. If there was no substance in it, I would not have accepted it. Pendant notre réunion des ministres assistants, during our ministry assistance meeting, j'avais partagé avec les frères, I shared with the brethren que le 28 mai 2021, that on the 28th of May 2021, je suis devenu, j'ai atteint le grade le plus élevé en académie. Je suis devenu un professeur d'université hors échelle. That I became the high, I had the highest grade in academics. That is, I became in May 2019, j'étais élevé au grade de professeur titulaire de classe exceptionnelle. I was raised to the level of a full-ranking professor of the exceptional class. Ça, c'est l'avant-dernière classe en académie. That's the last but one class in academics. Mais le 28 mai 2021. But on the 28th of May 2021, je suis devenu un professeur titulaire hors échelle. I became the highest-ranking full professor. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. For the glory of the Lord Jesus. Ce que Dieu avait dit au frère Zach. That God has told Brother Zach. That God has told Brother Zach. Que ce jeune homme. That this young man. Est un académicien pour le royaume. Will be an academician for the kingdom. Dieu est en train de l'accomplir. God has accomplished it all. Que je devienne de plus en plus petit. Que je devienne de plus en plus petit. That I become more and more small. Et que le Seigneur Jésus devienne de plus en plus grand. And that the Lord Jesus becomes greater. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et les desseins de Dieu donnés qui nous a révélés au travers du frère s'accompliront.
And the purpose of God revealed to us through Brother Zach will be accomplished. Tout ce que Dieu a dit au travers du frère Zach. All that God said through Brother Zach. Toutes les promesses de Dieu à notre père spirituel. All God's promises to our spiritual father. S'accompliront. Will be accomplished. Quand j'étais un jeune garçon. When I was a young boy. Venu du village. Coming from the village. Le frère Zach avait dit. Brother Zach said. Dieu m'a dit, ce jeune homme sera un académicien pour le royaume. God has told me that this young man will be an academician for the kingdom. Et je m'étais demandé. And I asked myself. Ça va se passer comment? How will this happen? Exactement comme Marie avait dit. Just like Mary asked. L'ange lui avait dit. The angel told her. Tu deviendras enceinte. You will become pregnant. Par la puissance du Saint-Esprit. Through the power of the Holy Spirit. Elle a demandé. And she asked. Ça c'est quel genre de biologie? What kind of biology is this? Elle m'a mal posé la question à l'ange. Ça va se passer comment? And she even asked the question to the angel. How will this be? Est-ce que Dieu a accompli? Did God accomplish it? Le petit gars qui venait du village. That little boy from the village. Dieu a dit. God said. Par le frère Zach. My brother Zach. Il sera un académicien pour le royaume. That will be an academician for et the kingdom. Et comme Marie, moi aussi, j'ai demandé. Ça va même se passer comment? Then I asked, but how will this happen? Est-ce que Dieu l'a accompli? Has God accomplished it? Gloire à Dieu. Praise the Lord. Acclamons le Seigneur Jésus. Let us clap to the Lord Jesus Christ. Offrande d'acclamation. A clap offering. À Jésus Christ. To Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Ensemble. Together. Protégeons ce que nous avons reçu. Let us protect that which we have received. Et rendons grâce au Seigneur. Prions Let ensemble. Us thank God. Let's pray together.